Bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre consacrée à Paul Celan. Nous avons organisé cette rencontre avec la complicité de Bertrand Badiou et d'Éric Celan, que je tiens à remercier. Cette rencontre aurait dû avoir lieu en novembre, sous la forme même d'une journée pour célébrer donc le centenaire du poète. Malheureusement, la situation sanitaire en a décidé autrement, mais nous sommes vraiment très heureux de pouvoir vous proposer cette rencontre qui va explorer les visages du judaïsme de Paul Celan. Avant de commencer cet événement, nous tenions à attirer votre attention sur deux ouvrages autour desquels avait aussi été conçue la journée initiale, si l'on peut dire, Les Cahiers de Lerne, dont le numéro paru il y a quelques mois a été consacré au poète. Vous pourrez retrouver dans ce numéro des articles de Bertrand Badiou et de Clément Fradin notamment, et également des lettres particulièrement intéressantes de Paul Celan, inédites en français. Donc il y a vraiment des véritables découvertes dans ce numéro. Un autre ouvrage, Mon après-guerre à Paris, qui aurait dû faire l'objet d'une conférence par Alexandra Léniel-Labastine, qui donc a dirigé, si l'on peut dire, ce texte, l'a annoté, enfin a vraiment et vraiment, vraiment grâce à elle que ce texte a pu être publié. Elle aurait dû nous en parler, mais malheureusement nous n'avons pas été en mesure de pouvoir mettre en place cet événement. Mais c'est un livre très émouvant. Ce sont en fait les souvenirs de Serge Moscovici et également du trio de métèques, comme il aimait le dire, qu'il formait avec Isaac Chiva et Paul Celan à Paris dans l'après-guerre. Et c'est d'autant plus émouvant et intéressant de lire ces premières années parisiennes au regard après des grandes figures intellectuelles qui sont devenues en France au XXe siècle. Ces deux ouvrages, j'en profite pour vous le dire, pour les Parisiens qui nous suivent, bien sûr, sont à la librairie du Mage, qui est ouverte en ce moment, malgré la fermeture du musée, tous les jours, sauf le lundi, de 11h à 17h. Donc n'hésitez pas à venir faire une petite pause dans notre cours d'honneur et à venir flâner dans les rayons de la librairie du Mage. Un immense merci à mes quatre invités. Merci beaucoup Bertrand Badiou, Éric Celan, Daniel Cohen-Lévinas et Clément Fradin d'être là. Merci beaucoup pour votre souplesse, pour avoir accepté d'adapter cet événement sous une forme virtuelle, même si on commence tous à avoir l'habitude, mais c'est toujours un nouveau challenge, un nouvel exercice. Donc, merci infiniment d'être là cet après-midi avec nous. Un grand merci également à Ariane Singer, qui est journaliste, dont vous pouvez lire les critiques littéraires toujours très fines dans En attendant l'ado ou Le Monde des livres, par exemple. Merci beaucoup, Ariane, d'avoir accepté de modérer cette rencontre au sujet extrêmement dense et parfois complexe et de le rendre justement très accessible à tous nos participants qui sont présents aujourd'hui. Pour terminer, je vous invite à voir ou revoir cette vidéo sur la chaîne YouTube du Mage ou sur notre médiathèque en ligne qui rassemble tous les événements filmés de l'auditorium depuis, on peut dire même presque 20 ans. Donc vous pourrez réécouter encore et encore nos intervenants. Merci à tous, je vous souhaite une excellente rencontre et je laisse tout de suite la parole à Ariane Singer. Merci. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, nous allons donc évoquer la vie et l'œuvre de Paul Celan. Paul Celan, donc, né Paul Pessard-Hentschel en 1920 à Tchernovitz en Bucovine, une région rattachée alors à la Roumanie depuis la chute de l'Empire austro-hongrois 2 ans plus tôt. Cette Bucovine dont il disait qu'elle fut, je cite, une région où vivaient les humains et les livres pour désigner ce qui avait cessé d'exister avec la Shoah. L'œuvre de Celan, presque exclusivement composée en allemand, puisqu'il était issu d'un milieu juif germanophone, rend compte de cet anéantissement que fut la Shoah et de l'indispensable mémoire des morts, en premier lieu celle de ses parents, déportés dans un camp d'extermination de Transnistrie en 1942. Je rappelle que son père, Léo Hentschel, y est mort du typhus et sa mère, Friederike, a été assassiné d'une balle dans la nuque, tandis que lui-même, Paul, était déporté dans un camp de travail en Moldavie méridionale.
Après la libération de Tchernovitz par les soviétiques, Celan choisit de s'exiler à Bucarest, puis à Vienne, et enfin à Paris en 1948, où il a vécu jusqu'à sa mort en 1970, et où il a composé l'essentiel de son œuvre, c'est-à-dire une dizaine de recueils de poèmes, dont Pavot et mémoire, Grille de paroles, La rose de personne, ou encore Renverse du souffle. De poème en poème, toute l'écriture de Celan semble répondre à la célèbre objection faite par le philosophe Théodore Adorno, qui disait que, après Auschwitz, écrire de la poésie est barbare. On verra à quel point la sienne était tout sauf barbare, mais au contraire exceptionnellement novatrice. Pour en parler, j'accueille Bertrand Badiou, Daniel Cohen-Lévinas et Clément Fradin. Alors Bertrand Badiou, vous êtes enseignant-chercheur à l'École normale supérieure, vous êtes responsable de l'unité de recherche Paul Celan, et vous êtes gestionnaire avec Éric Celan, donc le fils de Paul Celan, du fonds posthume et de l'œuvre de Celan. Vous avez traduit des poèmes et des lettres de l'auteur et fait des travaux d'édition de textes inédits de l'auteur en Allemagne. Vous avez co-dirigé avec Werner Fogerbauer et Clément Fradin les Cahiers de Lerne dont on parlait tout à l'heure, qui ont paru à l'automne dernier. Vous êtes en train d'achever l'écriture d'une biographie de Celan à paraître en Allemagne cette année. Daniel Cohen-Lévinas, vous êtes philosophe et musicologue, professeur à l'Université Paris-Sorbonne, fondatrice du Collège des études juives et de philosophie contemporaine, autrement dit le Centre Emmanuel Lévinas. Et vous avez dirigé un numéro de la revue Europe en 2016 consacré à Paul Celan, et vous êtes l'auteur d'un essai sur Celan et Derrida qui s'intitule « Le devenir juif du poème » qui a paru en 2015 aux presses de l'Université de Montréal. Vous préparez actuellement un livre sur la question du judaïsme dans la poésie de Celan et vous vous apprêtez à publier un nouvel ouvrage intitulé « L'impardonnable » qui sort ces jours-ci aux éditions du Cerf. Clément Fradin, vous êtes chargé de cours à l'Université Paris 8 et avant de travailler sur les Cahiers de Lerne, vous avez consacré votre doctorat à la bibliothèque et aux lectures de Paul Celan et vous menez un projet sur les traductions posthumes de Celan. Vous préparez également, toujours avec Bertrand Badiou, une nouvelle traduction du recueil Pavot et mémoire à paraître l'an prochain. Et on peut aussi signaler parmi nous la présence d'Éric Celan, donc le fils de Paul Celan, et de Gisèle Destrange. Voilà. Alors on va commencer tout de suite par la lecture d'une lettre qui se trouve à la fin des Cahiers de Lerne et que vous avez choisie, Clément Fradin et Bertrand Badiou. C'est une lettre de janvier 1934, adressé par Celan à sa tante Mina, qui a émigré en Palestine. Celan, donc, à l'époque, a 14 ans, il est tout jeune, et on sent notamment dans cette lettre qu'il ne fait pas toujours être, il n'est pas toujours bon d'être juif à Tchernovitz. Donc, je vous laisse la lire. Tchernovitz, le 30 janvier 1934. Chère tante Mina, avant tout, excuse-moi, je t'en prie de ne pas avoir écrit. Je n'arrive même pas à trouver un motif à cela. Donc, pardonnez-moi, en français dans le texte. En matière de bulletin scolaire, alors, je suis deuxième, mais pas le premier, comme cela aurait dû être le cas en bon droit. Les professeurs, l'appartenance à la branche juive de la race sémite et bien d'autres obstacles. Oui, sur l'antisémitisme dans notre école, je pourrais écrire un livre de 300 pages. Comme exemple, prends ce simple fait. Monsieur, mon professeur de géographie, Tsopa, tel est le nom du fléau, est à l'ombre. Où, eh bien, tu peux l'imaginer. Tu sais sans doute qu'oncle David est déjà ici. Je m'entends très bien avec lui, nous sommes même de grands copains. Malheureusement, je n'ai pas pu aller à l'école aujourd'hui car je suis tombé sur la glace hier et je me suis bien abîmé le derrière. Rassure-toi, tout ira bientôt mieux. Tu dois à ce premier incident de recevoir dès maintenant une réponse. Sinon, eh bien, qui sait quand? Tante Regina vient très souvent chez nous ces derniers temps. Comment vas-tu? As-tu déjà du travail? Et comment est l'appartement? Dis-moi plus là-dessus, s'il te plaît. Et comment cela se passe-t-il avec les langues? Speak you English? Et hébreu? Je reste avec des salutations cordiales et une embrassade, ton Paul. PS, salut Donia de ma part. Tu es à présent en Palestine. Envoie-moi, je t'en prie, des timbres locaux et d'autres pays. Tu sais que je suis un collectionneur de timbres.
Expliquez-nous ce qui vous a conduit à choisir cette lettre. Qu'est-ce qu'on découvre de la personnalité, du parcours, des prédispositions de Paul Celan? Oui, alors le parcours, hein, il a 14 ans, c'est un parcours, début de parcours. Hein, mais bon, il y a évidemment, donc, premièrement, c'est un document assez exceptionnel parce qu'il est très ancien. Il a traversé la Méditerranée, il a survécu à la destruction des Juifs de Tchernovitz et il raconte finalement déjà l'antisémitisme qui annonce la catastrophe. Hein, c'est vrai que le passage sur la branche juive de la race sémite, hein, souligné juif, souligné sémite, est très éclairant. Hein, on voit bien aussi ce qui se passe à l'époque, ce qui se joue déjà à l'époque. Hein, c'est un document historique, donc. Il est touchant, premièrement, il est historique dans un second temps. Et puis, on entend aussi. Donc 14 ans, Celan n'a pas encore. C'est déjà un grand lecteur, c'est un très bon élève. Il aura des prix. Bertrand le dira mieux que moi pour l'aspect biographique de la chose. C'est vraiment un jeune garçon tout à fait alerte qui réussit bien. Et on sent aussi tout de suite cet intérêt pour les langues. Il demande à sa tante, mais alors moi je t'écris, donc c'est une lettre allemande hein, que j'ai traduite, mais une lettre allemande, et il lui demande Speak you English. Alors c'est évidemment assez espiègle, il est très, on sent un sourire hein, derrière, il y a beaucoup de familiarité et d'affection qui transparaissent dans cette lettre, mais il y a aussi vraiment cette idée, l'anglais, l'hébreu, l'allemand, comment ça se passe quand on n'est plus dans un pays ou dans une communauté de langue allemande hein. Et voilà. Et c'est vrai que cette lettre survivante porte en fait déjà pas mal de choses hein, de ce qui constitue à la fois le tragique et en même temps aussi la portée pour le coup assez universelle du travail de Celan. Alors, on sent qu'il parle plusieurs langues, en tout cas qu'il s'intéresse à plusieurs langues. Il va en maîtriser un certain nombre. Enfin, c'est ce qui nous mène à la question centrale. Pourquoi finalement il va faire le choix de l'allemand comme langue d'écriture plutôt qu'une autre langue alors qu'il en maîtrise tellement? Et j'avais envie de vous demander pourquoi est-ce qu'il a choisi cette langue alors que quelqu'un comme Aaron Appelfeld, qui est né lui aussi à Tchernovitz et qui va vivre le même genre de traumatisme que Celan, lui a pris une décision qui n'a rien à voir, qui est totalement différente, puisqu'il va embrasser l'hébreu. Alors, on sait finalement peu de choses hein, sur cette période-là de la jeunesse tchernovitzienne. Hein, quelques documents, de rares documents, des témoignages qui sont arrivés bien après, qui ne sont pas forcément toujours bien affirmés. Hein, on ne peut pas toujours être certain de ce que se rappellent les gens, mais je crois que le choix de la langue allemande il n'y a jamais eu de doute. Selon, il n'y a jamais eu de tentation d'écrire dans une autre langue. Alors, à l'exception notable du roumain, hein, ça c'est vrai, il a écrit en roumain, mais donc après-guerre, en exil, dans des cercles surréalistes, mais sa langue maternelle, c'est l'allemand, ça ne fait aucun doute. L'hébreu, alors il y a des témoignages un peu contradictoires, mais l'hébreu, il dira que c'est quelque chose qui lui a toujours été étranger, alors même si, bien sûr, il traduira Rokia, mais c'est pas du tout cette langue-là. Et voilà, ça c'est sur l'aspect biographique. Il y a un aspect peut-être un peu plus sociologique. L'allemand est une des grandes langues littéraires. Hein, l'hébreu, l'aventure de l'hébreu littéraire commence, débute hein, aussi. Peut-être que ce choix ne se posait pas tout simplement pour Celan, pour exister comme auteur, parce que il a une ambition certaine dans son écriture. Et sur donc l'allemand, c'est aussi, on va parler de la mère de Celan, hein, elle va transparaître aussi dans notre rencontre, on est obligé.
Friederike, eh bien, c'est elle qui le forme aux lettres allemandes. C'est-à-dire que, en tout cas, elle lui transmet un amour des lettres allemandes, de la poésie allemande. Et évidemment, non seulement la langue maternelle est l'allemand, mais en plus qu'on est que l'oreille est formée à Hölderlin, Rilke, etc. Eh bien, on choisit comme langue littéraire l'allemand. Est-ce qu'on pourrait dire, en simplifiant les choses, qu'il a fait le choix de la langue maternelle, donc l'allemand, contre la langue paternelle, l'hébreu, de son père, puisque son père l'a envoyé dans une école juive, il n'était pas forcément ravi, il dit à un moment qu'il aurait préféré, il était plus intéressé par le foot finalement que les études juives. Est-ce qu'on peut voir dans le choix de l'allemand cette opposition? La lecture psychanalytique de la chose. Bon, moi, je ne suis pas un partisan absolu de ce genre de choses. Peut-être que Bertrand, lui, saurait mieux en parler. Moi, c'est vrai que je manque aussi d'éléments peut-être là-dessus. Ce que vous dites, c'est que quand même, il a tâté un peu du roumain. Il a traduit des poèmes du roumain. Il a écrit en roumain. Est-ce qu'on sait quel était le lien, son lien avec cette langue qu'il avait aussi entendue tous les jours à Tchernobyl? Bien sûr. Alors on a une déclaration en 54 dans un entretien à la radio où Celan, donc il accorde à quelqu'un qui s'appelle Karl Schwedhelm, où Celan dit que son lien à la langue roumaine était des plus lointains. Hein, ça c'est un peu à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que il n'a pas évidemment parlé. Je vois Eric qui s'anime, donc il faut peut-être laisser la parole à Eric. Mais il prend ses distances, hein, avec le roumain, avec ses poèmes roumains. Voilà, c'est bien sûr qu'il a tâté du roumain, mais un peu contraint aussi, hein. Mais c'est pas un peu contraint. C'est bon. Vas-y. Attendez. Oui, il faut quand même se rappeler que le roumain, c'était la première langue de l'oppresseur. Dire, par rapport à l'Empire austro-hongrois, où les juifs et les minorités étaient relativement protégées, c'était une obligation pour les juifs de Tchernovitz. Ils n'ont plus eu le droit d'avoir des écoles en allemand et ils devaient apprendre le roumain. Donc c'était déjà une première langue de l'oppresseur. Et pour rendre ça signifiant, je dirais, mon père, comme Isaac qui va, comme Serge Moscovici, qui était ses compagnons de l'arrivée à Paris, disaient volontiers qu'ils avaient oublié cette langue, qui était la première langue de l'oppresseur avant les nazis. Et bien sûr qu'ils la savaient très bien et que s'ils rencontraient des Roumains sympathiques, ils n'avaient aucun problème à la parler. Mais ils disaient qu'ils avaient oublié cette langue, et ce n'est pas pour rien. On est donc en présence de deux langues, de deux oppresseurs différents. Absolument. Vous qui lisez Celan dans le texte, quand il écrit en allemand, de quelle sorte d'allemand s'agit-il? Est-ce que vous pouvez le caractériser? Est-ce que c'est un allemand qui date des années 30, qui est daté dans le temps? Est-ce que c'est un allemand? Enfin, à quoi est-ce que vous le rattacheriez, cet allemand? Qui s'adresse à la question? À Clément ou à Bertrand? Alors, moi, je dirais que les enregistrements qu'on a de ce lance, on entend un son de l'Allemagne du Sud. Hein. C'est son allemand est plus viennois, hein, que du Nord, ça c'est sûr. Mais il a un allemand absolument parfait. Il a un allemand qui est même syntaxiquement toujours irréprochable. Hein. C'est tout à fait frappant. Je veux dire, il n'est pas du tout. Il n'y a pas de dialecte, enfin très peu, ou alors dans un usage conscient ou voulu. Hein. Je ne sais pas, Bertrand, ce que toi tu.
Oui, mais c'est de la question, comme tu disais, se pose pas. Et pour revenir à Appelfeld, c'est très important de se dire que Appelfeld, il fait le choix d'aller en Palestine, et que par là même, il a la nécessité d'être un écrivain hébraïque. Il va empoigner cette langue pour exister. Et en plus, dans son milieu familial, il ne parle pas exclusivement l'allemand. C'est un milieu où on parle le yiddish, où on parle l'ukrainien. Il y a plusieurs langues qui sont dans sa famille. Alors que chez les Hanschel, a priori, la mère fait en sorte que le Hochdeutsch soit omniprésent. Donc, la situation des deux écrivains n'est pas du tout la même. La question de la langue va se poser de façon très cruciale pour Solan à la fin de sa vie. Et d'ailleurs, il va rencontrer Appelfeld en 69, en octobre 69 à Jérusalem. Et suite à dans le contexte d'une lecture publique, ils vont avoir un échange. C'est la deuxième fois qu'ils se rencontrent. Et Solan va exprimer un certain regret de ne pas avoir été de ne pas avoir empoigné cette langue. Mais c'est une formule, en fait, parce qu'évidemment il y a cette possibilité, il y aurait eu cette possibilité d'un renouveau pour lui s'il avait pu faire son aliyah et aller s'installer en Israël, s'il avait pu véritablement faire ce pas. Il ne Est-ce que, excusez-moi, est-ce que la question de l'Alia s'est posée, puisque sa tante, toute sa famille paternelle était sioniste et s'est installée là-bas? Cette question n'a cessé de se poser et il l'a intériorisée. Et en même temps, il y avait quelque chose qui était une nécessité pour lui, c'était de rester sur le terrain européen et c'était de rester sur son terrain de combat, véritablement. Et sa langue allemande, pour en parler autrement, c'est évidemment une langue dans laquelle il fait un immense travail d'écrivain et ce travail va sans cesse être actualisé par des séjours en Allemagne, parce qu'il a également intériorisé une angoisse par rapport au locuteur, par rapport à cette langue vivante, celle que parle en Allemagne dans les années 50, et cela veut être en rapport avec cette langue. Et donc, les voyages en Allemagne, ces lectures publiques vont être l'occasion de rencontrer des personnes qui parlent cette langue, et à partir de 52, ça va devenir une réalité pour lui, il va vraiment les rencontrer, pas seulement les Autrichiens qu'il a rencontrés à Vienne, mais de vrais Allemands, entre guillemets, et il va sans cesse actualiser cette parole, cette langue allemande, il va continuellement la faire sienne à travers des lectures, pas seulement des lectures savantes ou des lectures de fiction, mais également de la presse, du Spiegel, des différents quotidiens allemands qui vont le mettre en rapport avec la langue telle qu'elle se pratique dans l'Allemagne, qui est la sienne. Et on ne peut pas entrevoir les choses autrement. Et si il reste dans cette langue, c'est évidemment parce que le combat qu'il a amené ne peut se passer que dans cette langue-là. Alors le combat qu'il mène, donc c'est un combat mené contre les anciens oppresseurs, contre la langue des oppresseurs. On parle au sujet de Ceylan d'une contre-langue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette contre-langue et comment elle s'écrit? Oui, je n'emploierai pas le terme de contre-langue. Moi, je m'insurge contre ça. Pour moi, l'écrivain Solan fait un travail dans sa langue, dans la langue allemande. Il le fait avec des sentiments mêlés. Et il travaille cette langue comme tout écrivain la travaille. Il la travaille dans une ambivalence. Mais encore une fois, il produit un discours et il n'y a pas de combat véritablement contre la langue. Hein. Il dit dans le discours de Brême que la langue était d'une certaine façon sauvée, même si elle avait traversé ces épreuves, ces discours de mort. Hein. Et voilà. Donc le discours de Solan s'élève contre les discours nazis, contre l'utilisation qui a été faite par les nazis, et ça se fait du point de vue du lexique. Je prends la chose la plus simple, c'est comment cela empoigne un mot comme Kampf, le combat. Voilà, par exemple, il faut prendre je dirais, comme prototype hein, de mots. Et puis, et le travail sur les particules, c'est-à-dire sur les particules verbales et sur une désarticulation, réarticulation de ces particules. Et c'est là que se passe la tension. Il met la langue en tension. Je dirais, j'exprimais les choses comme ça. Il la met en tension, il critique à travers son emploi le discours qui a été produit dans cette langue. Et dans ce sens-là, il travaille contre la langue des meurtriers. Mais il opère quelque chose qui est toujours, à la fois comme Clément l'a dit avant, avec un souci
de la langue dans ce qu'elle a de plus porté par la tradition. Il la renouvelle, mais il respecte les règles de cette langue. Il est très peu parataxique. Il est paratactique. Il a un souci vraiment permanent de s'inscrire à l'intérieur de cette langue en la déplaçant, en faisant son travail d'écrivain et bien sûr de penseur. Dans le discours du Méridien, là je prends la traduction. Excusez-moi, on explique ce que c'est que le discours du Méridien. C'est un discours qu'il a prononcé à l'occasion de la réception du prix le plus prestigieux d'Allemagne en 60. En 1960. En 60, voilà. Oui. Et donc c'est dans ce discours que se trouve la notion de Gegenwart, hein, la contre-parole qui tire d'un moment, d'une pièce de Büchner. Qui est le moment de la rébellion. Hein. Donc, la contre-parole se fait dans la langue, mais il y a un passage très important. Donc là, je vais citer la traduction de Launay du Méridien. Il y a un passage très important où il parle de la parole poétique et il dit qu'il s'agit d'une parole actualisée, je cite, « dégagée sous le signe d'une individuation radicale, mais en même temps toujours consciente des limites qui lui sont assignées, des possibilités qui lui sont ouvertes par la langue. » C'est-à-dire qu'on a souvent parlé des néologismes, etc., mais finalement, c'est une langue poétique, une langue individuelle, une langue d'art, mais allemande. Il n'y a pas, comment dire, la contre-langue. D'accord. Il déconstruit quand même la syntaxe, il joue avec les phonèmes, enfin, il y a un jeu sur la langue et sur les sonorités. Bien sûr, comment serait-il autrement? Il est poète. Et donc, il fait un travail sur cette langue, comme d'autres l'ont fait. Cummings, Hopkins, il y a une grande tradition aussi dans la tradition, disons, en langue anglaise. Il a des prédécesseurs qui ont fait ce travail, Chlebnikov en russe, etc. Donc, il n'est pas tout à fait original là. Il le fait, mais évidemment, il est porté par un esprit différent. C'est ça. On est plus dans le... C'est plus la dimension éthique de ce travail sur la langue que la dimension esthétique qui est frappante. Alors toute la difficulté, le défi qui s'est posé, c'est lancé donc d'écrire dans la langue des assassins une œuvre qui va être en grande partie tournée vers la mémoire des morts. Je vais vous inviter, Bertrand Badiou, à lire un texte que vous avez choisi, un poème qui s'appelle Espenbaum et qui est tiré du recueil Pavot et mémoire paru en 45. Alors je le lis peut-être d'abord en allemand. Espenbaum, dein Laub blickt weiß ins Dunkel. Meiner Mutter Haar ward nimmer weiß. Löwenzahn, so grün ist die Ukraine. Meine blonde Mutter kam nicht heim. Regenwolke, säumst du an den Brunnen? Meine leise Mutter weint für alle. Runder Stern, du schlingst die goldene Schleife. Meiner Mutter Herz ward wund von Blei. Eichne Tür, wer hob dich aus den Angeln? Meine sanfte Mutter kann nicht kommen. Peuplier tremble, ton feuillage regarde blanc dans l'obscurité. Les cheveux de ma mère ne devinrent jamais blancs. Dents de lion aussi vertes que toi est l'Ukraine. Ma mère blonde ne rentrera jamais à la maison. Nuage de pluie, tardes-tu près du puits? Ma douce mère pleure pour tous. Étoile ronde, tu noues le ruban d'or. Le cœur de ma mère fut blessé par un plomb. Porte de chêne, qui te sortit de tes gonds? Ma tendre mère ne peut pas venir. C'est un poème qui a été écrit en 1945 à Bucarest. Qu'est-ce que vous évoque ce poème? On voit la figure très présente de la mère. Oui, il est tellement au cœur de l'œuvre de Solan. Tellement au cœur que c'est un poème qui va frapper tous les gens qui vont le lire. Il est immédiat et cette immédiateté va être très importante pour les personnes qui veulent bien entendre ce que dit cette poésie. Eh bien, elle le dit d'une façon directe, d'une façon vie, au début. Et cette parole, évidemment, va bouger. Le discours de Solan va se complexifier.
et son rapport à sa mère va prendre toutes sortes de chemins, et ces chemins ne perdent jamais leur ancrage dans ce poème. Ce poème est un poème matriciel, je puis dire, de Celan. Il dit l'essentiel de son rapport et du lien qu'il fait entre la mère et la langue mère, la langue de sa mère. Et il ne coupe pas l'ombilic, il ne coupera pas l'ombilic. Et quand il parle dans cette langue, il parle aussi à sa mère. Et il y a bien des poèmes où le tu, tellement frappant chez Celan, qui peut être investi de différentes manières, eh bien, on a le sentiment que ce tu, il peut s'adresser à la fois à la mère et à la fois à l'amante. Alors, je disais que ce poème a été écrit à Bucarest. Donc, Celan a émigré à Vienne en décembre 1947, ensuite, avant d'arriver à Paris en juillet 1948. Je voulais savoir pourquoi est-ce qu'il a choisi Paris? Qu'est-ce qu'il avait comme attache, alors qu'on sait que la vie à Paris n'a jamais été très simple pour lui? Bertrand Badiou. Oui, alors, évidemment, Paris est une sorte d'évidence. Celan nourrit déjà ce projet parisien. Jeune homme, on a parlé de sa première lettre, donc écrite peu après sa bar mitzvah, peu après son anniversaire, donc début 34. Eh bien, déjà à cette époque, avec son ami Edith Silbermann, il rencontre une jeune femme qui est de la famille de cette Edith Silbermann, qui est à Paris. Et quand elle arrive à Tchernovitz, ils sont remplis, les deux jeunes sont remplis de questions par rapport à cette femme, parce qu'elle connaît la ville de, elle connaît Paris, elle vit à Paris. Paris est la capitale des arts à cette époque. Il faut imaginer les peintres, évidemment, la littérature, tout ce qui se passe à Paris dans les années 20, c'est la référence culturelle, c'est la capitale des arts. Et c'est dans ce sens qu'il va rejoindre Paris. Et après, il y a quelque chose de très concret qui va déterminer son choix. C'est que aussi il a des amis, il a des connaissances, entre autres Isaac Kiva, qu'il rencontre dans un lupanar à Budapest, et c'est là qu'il fait sa connaissance, et Kiva va préparer son arrivée à Paris, et il va en quelque sorte faciliter l'arrivée de Celan à Paris. Donc il y a des liens, et en plus il y a son oncle Bruno Schrager qui s'est installé à Paris avant la guerre, et qui donc est un élément, je dirais, tout à fait concret, une personne de son entourage immédiat, le frère de sa mère, c'est pas n'importe qui, oui, qui est à Paris, et qui, lui, a été déporté, et est mort à Auschwitz. Je précise qu'avant la guerre, Celan a fait une année d'études de médecine à Tours, et donc il était en France, il a un peu tâté de l'effervescence poétique et artistique parisienne qui lui a donné envie de revenir. Tout à fait, et c'est là qu'il découvre en quelque sorte le surréalisme, enfin qu'il commence à lire Éluard, que malgré ses études de médecine qui l'occupent, qui sont prenantes, il a une préoccupation littéraire, il écrit des poèmes. On connaît des poèmes écrits à Tours, en direction de sa mère d'ailleurs, significativement, et donc effectivement, il connaît Paris très concrètement, il a visité le Louvre, il a visité le musée Rodin, il a été à la Comédie Française. Tout ça au moment où il est arrivé à Paris à l'automne 38. Alors après-guerre, il vit en France, il écrit en France, il traduit, mais ses propres poèmes vont être traduits en Allemagne. En fait, il a les yeux rivés sur l'Allemagne. Il va se rendre en RFA en 1952, et plus exactement à Niendorf, où il va aller lire un texte devant un groupe qui s'appelle le groupe 47. Il s'agit d'un groupe informel de jeunes écrivains allemands qui se veulent néo-réalistes et qui se rassemblent en fait pour lire des textes qui sont immédiatement critiqués par les membres présents. Il va lire un texte et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de sans doute son poème le plus connu, Todesfuge, Fugue de mort,
Voilà. Est-ce que vous voulez nous lire ce texte? Enfin, il a écrit, il a raconté à sa femme cette rencontre en Allemagne. Est-ce que vous voulez nous lire le texte dans lequel il raconte cette lecture? Oui, je veux bien. Il faudrait simplement dire que si cela est à Lindorf et si cela est accueilli par le groupe 47, s'il est accueilli par le groupe 47, c'est grâce à Ingeborg Bachmann. Ce n'est pas le chef du groupe, Hans-Werner Richter, qui est à l'origine de l'invitation, mais Ingeborg Bachmann. Et il ne lit pas que Tod des Fugue de mort, il lit également un choix de poèmes. Et Bachmann insiste pour qu'il lise Fugue de mort, parce qu'elle est absolument consciente que ce poème est très important. Et cela, on va en effet le lire. Et voici comment il rend compte à sa femme de sa lecture. Et je la commenterai très rapidement parce qu'il ne dit pas tout à sa femme ou il ne dit pas les choses de façon complètement explicite. Francfort, le 31-5-1952. Accueil avec malentendu à Lindorf. Madame Richter, la femme de l'écrivain qui m'avait invité, me prit pour un Français et me fit tout d'abord des compliments à cause de mon allemand si parfait. Les autres, c'est-à-dire les Viennois, qui pouvaient dissiper ces malentendus, n'arrivaient toujours pas. Ils arrivèrent enfin sur le tard, après minuit, très fatigués par le voyage. Mais il y avait Milodor, que j'aime bien, et que les autres connaissaient déjà. Ça allait mieux. Le lendemain, première lecture. Environ 50 personnes installées dans le grand hall de l'hôtel qui nous hébergeait, dans des fauteuils profonds. Tout cela avait l'air d'une réunion de gens bourgeoisement réconciliés avec un monde dont ils avaient pourtant ressenti les secousses. Enfin, premières armes, lecture, puis intervention de la critique. Des mots avec ou sans horizon intérieur, mais bien dit, au moins, ce premier jour. Devant les fenêtres, à 20 pas, la mer toujours recommencée. À 9 heures du soir, ce fut mon tour. J'ai lu à haute voix. J'avais l'impression de joindre au-delà de ces têtes, qui étaient rarement bonnes, un espace où les voix du silence étaient encore accueillies. L'effet fut net. Hans-Werner Richter, le chef du groupe promoteur de réalisme qui n'est même pas de premier choix, se révolta. Cette voix, en l'occurrence la mienne, qui ne glissa pas à travers les mots comme celle des autres, mais s'y arrêta, souvent dans une méditation à laquelle je ne pouvais pas ne pas participer pleinement et avec tout mon cœur. Cette voix-là devait être désavouée pour que les oreilles des lecteurs de journaux n'en gardassent pas le souvenir. Donc, ceux qui n'aiment pas la poésie, ils étaient les plus nombreux, se révoltèrent. À la fin de la réunion, lorsqu'on passa au vote, 6 personnes se sont rappelées mon nom. Mais ce récit simplifie un peu les choses. Je vous conterai les détails dans quelques jours à Paris. Qu'est-ce qu'il va lui raconter? On n'en sait strictement rien, mais on peut imaginer que oui. Parce que Celan est au début de cette relation avec cette jeune femme, Gisèle de l'Étrange, qui vient d'un milieu... ce qui ne saurait être différent de celui d'où il vient, mais qui a une disposition, une écoute, une attente de toutes ces choses qui rend impossible qu'il ne lui ait pas expliqué. Et ce qui est arrivé, c'est que Hans-Werner Richter a tout simplement dit en ricanant, mais il dit comme Goebbels, ce type. Voilà, le type d'humour, je vous laisse imaginer... comment Celan, qui a appris les choses sans doute très vite, a pu réagir. Parce que les amis viennois dont il parle, Milodor, mais aussi Ingeborg Bachmann, sont présents dans la salle. Donc, il a été informé. Et on ne peut pas imaginer qu'il ait caché cette réalité. Et c'est en quelque sorte une épreuve initiatique là qu'il fait. Parce qu'il entre, comme il le dit à Ingeborg Bachmann, dans le Urwald, dans la forêt vierge, dans la jungle. Il entre dans la jungle allemande, littéralement. Et c'est son premier séjour en Allemagne. Il faut imaginer ce que peut représenter pour un juif dont les parents ont été exterminés, de passer une nuit dans ce pays, ou dans certains cas, des décennies après, certains
ne vont jamais pouvoir y dormir. Je pense à Nelly Sachs, qui, lorsqu'elle reçoit un prix sur les rives du lac de Constance, va dormir en Suisse, à Zurich, parce qu'elle ne peut pas fermer l'œil dans ce pays. Donc, il faut imaginer, mais Celan va au-devant, va faire cette expérience et va forger ses armes. Quand il dit premières armes, ce n'est pas au hasard. Les mots sont choisis. Il va forger ces armes-là. Il va, constituer sa nature de guerrier. De guerrier juif. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, on l'a vu, donc, avec cette rencontre avec le groupe 47 se passe très mal. En fait, il fait l'expérience de l'antisémitisme encore présent en Allemagne. Après ça, il n'attend plus que ses partenaires non-juifs aient une vraie connaissance de la Shoah, enfin de ce qui s'est passé en Allemagne, et il va même commencer à cacher ce qui est arrivé à ses parents. Et en 1954, lors d'un entretien qu'il donne à une radio allemande de Stuttgart, le mot juif n'apparaît même plus. Il devait lire un poème qui s'appelle « Vor eine Kerze » devant une bougie, qui est issu du recueil de Seuil en Seuil, et il ne le lit pas. Donc, nous allons le lire pour lui, en français. Devant une bougie. Dors repoussé, comme tu me l'as enjoint, ma mère, j'ai façonné le chandelier, d'où elle monte à moi, s'assombrir parmi un fendillement d'heures. Ta fille de mort. Élancée, ombre frêle, l'œil en amande, la danse d'un essaim du sommeil autour de la bouche et du sexe, issue de l'or béant, elle s'élève vers le fait de l'instant. Les lèvres voilées par la nuit, je prononce la bénédiction. Au nom des trois qui, l'un contre l'autre, luttent jusqu'à ce que le ciel plonge dans la tombe des sentiments, au nom des trois dont les anneaux luisent à mon doigt chaque fois que je dénoue dans l'abîme les cheveux des arbres pour qu'une marée plus riche bruisse à travers les fonds, au nom du premier des trois qui jeta un cri quand il fallut vivre ou le devançait sa parole, au nom du deuxième qui rappelait et qui regardait et qui pleurait, au nom du troisième qui entasse des pierres blanches au milieu, je t'absous de l'amen qui nous assourdit, de la lumière glaciale qui l'entoure, là où il se jette dans la mer, haut comme une tour, là où la colombe grise picore les noms de ce côté et de l'autre du mourir. Tu restes, tu restes, tu restes enfant d'une morte, voué au nom de ma nostalgie, uni à une crevasse du temps, devant laquelle m'a conduit le mot maternel, pour qu'une seule fois elle tressaille la main qui toujours et toujours agrippe mon cœur. On touche ici à l'identité juive de Celan. Est-ce que vous voulez nous commenter ce poème? Je pense que Clément Fradin le fera mieux que moi. Je lui laisse la parole s'il veut bien. Oui, alors le commenter peut-être pas dans sa complexité, notamment sur la figure des trois, qui interpelle hein, au nom des trois. Donc évidemment, on a c'est comment dirais-je le rite du sabbat est presque du Shabbat est transparent en fait hein, dans ce poème. Et Celan, beaucoup plus tard, c'est une anecdote que je tenais un peu à raconter parce qu'elle m'a frappé quand je l'ai découverte, une découverte assez récente et que, pour ainsi dire, personne ne connaît. Celan, dans un entretien qu'il accorde un entretien qu'il a avec un des chefs de la maison d'édition Fischer, hein, Fischer qui est l'éditeur de Kafka, hein, une maison d'édition juive, Fischer, et bien quand il s'entretient avec un des chefs, oui, en 59 de cette maison, il revient, sans qu'on sache trop comment, sur ce poème et sur la façon dont ce poème lui est venu. On le sait à travers des notes que s'empresse de jeter sur le papier cette personne, hein, donc qui s'appelle... là, le nom ne me revient plus, mais c'est il est Geschäftsführer du S. Fischer Verlag à l'époque. Bon, et donc, il note immédiatement cet entretien qu'il a eu avec Celan et où Celan lui rapporte un événement privé dont il estime qu'il a été à l'origine de ce poème. Il marchait dans la rue Soufflot et
À l'époque, la rue Soufflot n'était pas peuplée de boutiques de luxe et de vêtements. Il y avait des libraires, il y avait des libraires qui vendaient notamment des ouvrages de Freud. Et dans l'une des boutiques, hein, il voit dans la devanture une lettre de Freud qui se plaint, enfin pas vraiment, mais qui dit qu'il a eu la visite d'un de ces juifs, un des vieux juifs, je crois que c'est la phrase de Freud, un des vieux juifs de Bukovine qui est venu le voir, etc. Et selon, donc dans les notes qu'on a de cet entretien, de ce moment avec cet Allemand, selon dit que c'est ainsi que lui est venu ce poème, c'est en se souvenant du rite. À ce moment-là, d'avoir un moment de ressouvenance, effectivement, du rite du sabbat, qu'il s'est mis à écrire ce poème dont la personne qui a pris en note ce qu'en disait Celan, dont Celan a bien précisé qu'il ne s'en tenait pas au souvenir. C'est-à-dire que le poème prenait un chemin tout à fait différent de ce souvenir né d'une rencontre dans la vitrine d'une librairie avec une lettre de Freud. C'est la première partie du poème, en réalité. Hein. La première partie du poème rappelle la judéité. Hein, si je reprends, c'est le « tu me l'as enjoint hein, », le deuxième vers, « comme tu me l'as enjoint, ma mère », j'ai façonné le chandelier. Donc évidemment, on est dans un poème qui mêle, comme souvent, l'existentiel et le poétique, c'est-à-dire qu'on peut faire une lecture biographique ou autobiographique de la chose, mais un, c'est indissociable, la parole, le chandelier, ce sera aussi toujours une menorah. Ce sera aussi toujours né de l'assassinat des Juifs. Voilà. Et c'est vrai que le choix de ne pas lire ce poème en 54 à la radio, qui est un poème pour le coup assez clair, enfin assez, il y a des moments de difficultés réelles dans la compréhension. Je l'ai déjà dit sur la figure des trois, cette forme de sanctification par des figures, mais il choisit de ne pas le lire, peut-être parce que c'est trop juif et qu'il estime que personne ne le comprendra. On peut aussi penser que, et ça c'est très étonnant, qu'il ait besoin d'expliquer au directeur d'une maison d'édition allemande en 1959, maison d'édition qui est quand même celle dirigée par Berman Fischer, hein, par un couple juif, que ce poème est évidemment un souvenir du rite du Shabbat. C'est là aussi où on voit la complexité d'une parole juive dans la littérature allemande au début hein, des années 50 et dans les années 50. Alors on entend donc la présence de ce chandelier qui peut aussi faire référence à l'injonction faite par Dieu à Moïse de construire un chandelier. Je m'adresse à Daniel Cohen-Lévinas. Je voulais savoir, est-ce que ces éléments juifs clairement identifiés sont très présents finalement dans la poésie de Celan? Est-ce que ils le sont depuis le début? Est-ce que ça évolue au cours de son écriture? Racontez-nous à quelle source s'abreuve Celan. Ce sont des éléments, si vous voulez, en tant qu'objet rituel. Bertrand, Eric et Clément répondraient mieux que moi, avec une connaissance plus exhaustive hein, de la chronologie de la poésie, de l'œuvre de Celan. Mais ce sont des éléments, ce que je voudrais dire par rapport à la question de la judéité et la place qu'occupe notamment ce magnifique poème, notamment la
la place de ce poème, c'est que les éléments rituels, les choses rituelles, les objets rituels scandent une temporalité qui est totalement diachronique. C'est-à-dire que d'abord qu'ils sont déplacés, désitués de leur contexte, mais qui sont ce que Celan appelle Zingbarer Rest. C'est un reste de judaïsme, un reste chantable de judaïsme qui prend la forme sensible de la poésie. Alors évidemment, chaque enfant, je veux dire adulte, quand on est un enfant de la Bukovine, de Tchernovitz, c'est-à-dire qu'on a vécu au cœur de la communauté juive et de communautés qui pouvaient être orthodoxes, en tout cas traditionnalistes sans aucun doute, la question du rituel est une manière de dire que le faire finalement non pas évacue la question de la transcendance ou la question de la croyance, mais ce n'est pas croire ou ne pas croire en Dieu qui compte, c'est les gestes et qui rythment la quotidienneté, qui rythme la temporalité juive. Et ces gestes, je pense, je n'en suis pas certaine, il faudrait vérifier, j'ai posé il y a quelques jours la question à Bertrand, ces gestes, je pense qu'il les a connus, que ce soit au cœur de sa propre famille, que ce soit au cœur des familles juives, c'est impossible de ne pas les avoir connus. La figure du vieux juif, par exemple, elle est typique, et en effet, c'est extrêmement important pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce reste de judaïsme, c'est-à-dire quelque chose, une sorte d'irrédentisme dans l'identité juive, une identité évidemment qui se caractérise par le fait qu'elle a été exposée, qu'elle est blessée, qu'elle est extradiée, si vous voulez, mais en même temps, il me semble que, d'abord, Paul Celan a été petit à l'école juive, ce qu'on pourrait appeler le GAN, aujourd'hui, donc il a appris à écrire l'hébreu, l'alphabet en tout cas. Alors tout enfant qui apprend l'hébreu ne le parle pas nécessairement, il a surtout parlé l'allemand dans sa famille, mais vous voyez cette conjonction entre une connaissance, en tout cas le fait d'écrire une langue de l'hébreu, une langue qui est consonantique, qui attend précisément que la bouche de l'homme, pour pouvoir devenir intelligible et porter des significations, je pense que ça forme un chiasme qui est tout à fait particulier, si vous voulez. Et quand on dit que Celan est un poète juif de langue allemande, là, on dit beaucoup de choses de ce point de vue. Alors, c'est vrai, il y a les objets, mais d'ailleurs, la notion d'objet dans le judaïsme, d'objets rituels, c'est quelque chose, quand je parle de la diachronie temporelle, d'un point de vue biblique, il existe des objets qui existaient avant la création. Il y en a un d'ailleurs qui est très important dans le méridien, c'est le bâton. Et le bâton, cet objet-là, il existait avant la création. Selon la tradition biblique, c'était le bâton d'Abraham qui s'est transmis ensuite à Joseph, ensuite que c'est Moïse qui l'avait, c'est-à-dire ce sont des objets qui ont une vocation exilique et qui sont très importants, comme le chandelier. Alors le chandelier, il revient, je pense, dans les premiers textes, Celan a écrit des nouvelles en roumain. Et il y en a un qui s'appelle « Où est le ciel ?», justement, qui est un texte qui m'avait beaucoup marqué il y a quelques années, où il est question de ce chandelier. Vous parlez des objets rituels, est-ce que la référence, pour le coup, au texte biblique, talmudique, au texte de la tradition, est quelque chose de très présent? Oui, ça je crois, c'est très crypté. C'est-à-dire, c'est là aussi que le débat entre les différentes écoles d'interprétation s'avère complexe et parfois s'enferme dans une sorte de guerre picrocolline, si vous voulez, parce que le texte, la langue de Celan, elle est cryptée de je dirais pas de bout en bout, elle a aussi ses significations, son étymologie, elle porte aussi une multitude de sens qui n'est pas nécessairement biblique, mais tout de même, lorsqu'on regarde les lectures que Celan a pu faire et dont il s'est nourri, dont il s'est imprégné, il est clair que le moment, ce qu'on a appelé le moment judéo-allemand, qui s'est ouvert avec, c'est pas rien, parce que lui-même, il est en quelque sorte un judéo-allemand, si vous voulez, c'est-à-dire une sorte de relation absolument insécable
qui va devenir tragique. Hermann Cohen ne pouvait pas penser la judéité sans penser la germanité. Il ne pouvait pas penser la germanité sans penser la judéité. Il a fini par comprendre que cette relation insécable portait en elle-même une dimension qui était tragique, qui était clivée, si vous voulez. Mais ce clivage est constitutif, si vous voulez, de la langue de Ceylan, en tout cas pour moi. Donc, si vous voulez, ce moment judéo-allemand qui s'est ouvert avec Hermann Cohen, mais dont les représentants importants sont des auteurs que Ceylan a lus, notamment Martin Buber, Ich und Du, qui est sorti en 23. Vous imaginez, vous avez trois livres qui sortent en l'espace-temps extrêmement restreint. Vous avez La religion de la raison aux sources du judaïsme, 1918-1919, Hermann Cohen. Vous avez L'étoile de la rédemption, 1921, Rosenzweig. Et vous avez 1923, Ich und Du, de Martin Buber. Et c'est, si vous voulez, un tournant absolument décisif dans l'histoire de la philosophie allemande, de la grande, je ne dis pas de la petite philosophie, de la grande philosophie allemande, c'est-à-dire de Fichte jusqu'à Heidegger et au-delà, naturellement. On va revenir dans un instant à l'importance de la philosophie chez Ceylan. C'est tout de même lié, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il lit, pour en rester au chapitre de Buber, il lit Buber très rapidement. Il lit Buber dès 1944. Dès 1944, il va célébrer la beauté de la langue allemande. C'est une des raisons pour laquelle il lit Buber, parce que Buber est traducteur de la Bible, qu'il a traduit avec Rosenzweig. Rosenzweig est mort avant de terminer cette entreprise, c'est Buber qui la termine. Il lit des nouvelles en yiddish, son oncle lui offre. Alors, qu'est-ce qu'il connaît du yiddish ? Tout enfant qui a dans l'oreille l'hébreu et qui parle allemand a une proximité avec le yiddish. C'est impossible autrement, si vous voulez, même s'il n'était pas yiddishophone, même s'il ne connaissait pas la langue de... Donc, vous voyez, tout ça, ça vient quand même relativement tôt dans la formation du jeune Ceylan. Il ne souhaitait pas qu'on le réduise sa proximité avec le chassidisme. Je crois que Clément Franin, vous vouliez nous lire un texte justement qui dit cette complexité dans l'expression de sa judéité et le rapport au chassidisme. Oui, alors en fait, c'est une. Là, je vais lire des extraits d'une lettre qu'il n'adresse pas à Friedrich Thorberg, hein, qui est un écrivain viennois qui a fui évidemment, donc, qui a 10 ans à peu près de plus que Ceylan et qui a fui après l'Anschluss, hein, en 38, qui s'est réfugié aux États-Unis et qui avait des positions extrêmement radicales justement sur la question de la symbiose judéo-allemande. Et bon, là, j'ai enlevé les parties qui étaient plus circonstancielles, mais je vais lire des extraits de cette réponse. Oui, le chassidisme, certes. C'est Ceylan qui parle. Oui, le chassidisme, certes. Mais vous savez, j'ai grandi malgré toutes les barbes qui soufflaient autour de moi, malgré toutes les années que j'ai passées à apprendre l'hébreu, ce qui n'a pas toujours réjoui à l'époque mon cœur de joueur de football, avec des figures aussi glabres que Siegfried et les Nibelungen. « Oh, vous temps et vous jour de fête !» Et là, c'est une citation, c'est « Oh, ihr Zeiten und hohe Zeiten » dans les Nibelungen. À propos de football, qui sait si je ne vous ai pas acclamé dans des temps pré-littéraires ? Le Hakoa de Vienne, où a joué Thorberg, le Hakoa de Vienne a souvent joué à Tchernowitz. Donc, le chassidisme. Il faut bien que beaucoup, non, que certaines choses m'en soient déjà à l'époque parvenues. Mais il ne me fut proche, ou plutôt, il ne me fut plus proche que lorsqu'il avait déjà disparu. Disparu et qu'il se trouvait dans le lointain. Le monde alentour, cela existe, mais il existe quelque chose, et ce n'est qu'ainsi que cet environnement devient un monde. Quelque chose, eh bien, comment dire, il existe, et pour cela, il n'est même pas nécessaire d'être juif, il existe des vases communicants, souligné. Être juif. Il me faut vous avouer quelque chose, cher Friedrich Thorberg. Les gens qui parlent tant de la chose juive et en connaissent un rayon, ces gens ne me plaisent à présent plus vraiment. Je trouve qu'il ne serait pas si mauvais que tous ces bienveillants veuillent bien se poser quelques questions pendant une petite poignée d'années, surtout à propos d'eux-mêmes. Je trouve qu'on ne peut s'occuper de judaïsme ni comme de son métier principal, ni comme d'une activité annexe.
Le judaïsme, on ne peut pas le manipuler une fois comme ci et une fois comme ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on a, souligné, et on peut encore moins en avoir pigé le truc en connaissant un rayon. Du reste, il est bien possible d'enjuiver sans être circoncis. Cela s'est même déjà produit. Mon propre nez n'est que depuis peu si crochu. Quelle identité juive, finalement, est-ce qu'il exprime ses langues? On voit que c'est vraiment très, très compliqué, à la fois dans ses écrits, dans ses lettres. Quel type de juif il est, quoi? La question s'adresse à moi? Oui, ou à Daniel. Je pense que Daniel, Bertrand, tout le monde a... Je pense que... On n'arrête pas de dire que c'est compliqué la question de l'identité juive chez Fénan. Je pense que c'est un des auteurs qui l'a le mieux exprimé. Et de manière, parce que évidemment c'est très complexe, si je lis, j'ai retenu dans le texte de Barbara Weinmann, j'ai retenu, donc je vous lis ce que j'ai retenu donc de cette lettre de 1952 adressée à Karl Schwedelm, où il écrit « En tant que juif, il m'a alors aussi fallu faire l'expérience, à côté de tant d'autres choses, que la langue ne lance pas seulement des ponts vers le monde, mais aussi vers la solitude. » Alors là, ça fait signe vers autre chose aussi, hein, qui est de nature philosophique, je le commente rapidement, ça c'est central. Parce que à la fois, ça dessine les linéaments d'une critique importante de la tradition philosophique et poétique allemande, qui est celle de la mort en solitaire, de la mort qui est mienne, de, si vous voulez, l'apothéose du Dasein, d'un être là, qui implique ma propre mort. Ma mort est mienne. Alors que la solitude dont parle Celan, c'est la mort du survivant. C'est-à-dire lui-même est un survivant, et que les survivants, si vous voulez, ceux qui ne sont plus là pour témoigner, et c'est une des vocations, une, je ne veux pas la réduire à ça, surtout pas, mais une des vocations de l'écriture de Celan, c'est de donner la parole à ceux qui ne sont plus là pour témoigner. Et c'est presque, si vous voulez, une responsabilité éthique. Ce n'est même plus la responsabilité éthique du vivant qui va vers l'assomption de sa propre mort, de sa mort qui est sienne, mais c'est l'éthique, c'est une éthique du survivant d'une mort qui leur a été privée. Ils ont été privés de leur propre mort. Et ça, c'est tout à fait central, parce que si on revient au rituel, dans le rituel juif, et d'ailleurs on l'a dans les textes de Celan, avec les termes comme yiskor, hein, le devoir de souvenir, le yiskor, c'est une prière que l'on fait spécifiquement le jour du grand pardon pour rappeler la mémoire de ses morts, hein, c'est-à-dire pour les nommer, la notion de la nomination, ou le kaddish, qui est un terme qui est dans la poésie de Celan, et le kaddish, c'est la prière pour les morts, en araméen, c'est une prière en araméen. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est le trait d'union, si vous voulez, entre une critique de l'idéalisme allemand et de l'ontologie fondamentale de Heidegger, où la question de la finitude, la question de la mort est abordée en héros. On meurt debout, si vous voulez, dans la philosophie allemande, dans l'idéalisme allemand et a fortiori chez Heidegger. Et là, on meurt pas du tout debout, si vous voulez. On est privé de sa propre mort. Et je pense que là se trouve quelque chose qui a à voir avec l'identité juive et le devoir de mémoire, le devoir de témoigner pour ceux qui ne sont pas là et de les nommer. Alors, donc c'est un juif en tant qu'il est survivant. Ça, c'est très important. Il va le dire dans une lettre à Peter Zondi, et une lettre qui, je crois, il n'a pas envoyée. Le juif n'est rien d'autre qu'une forme de l'humain, mais quand même une forme. Et dans ce quand même une forme, j'entends toute la, si vous voulez, toute la dimension sensible du poème. Et ça me fait penser à une autre lettre qui est une manière de parler de la poésie. Ça revient au même que de dire le juif n'est rien d'autre qu'une forme de l'humain, mais quand même une forme. C'est quand il écrit à Hans Bender, je ne vois aucune différence entre une poignée de main et un poème. C'est-à-dire, là vous avez encore un autre chiasme
qui est le chiasme lié à la question de l'humanité de l'homme et la question de la mise en forme de cette humanité. Et la mise en forme de cette humanité, chez Celan, ça s'appelle le poème. Chez Heidegger, on ne parle pas des hommes, on parle des mortels. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, je dirais que je pense que tous ces thèmes, si vous voulez, là, ce que Celan appelle l'angle d'inclinaison, je pense que on peut et on doit lire, ne pas lire Celan dans l'angle d'inclinaison de sa judéité ou du judaïsme, c'est passer à côté d'une dimension extrêmement importante. Et cette dimension, elle me paraît tout à fait explicite dans le Méridien dont il a été déjà question. Quand Celan dit dans le Méridien, le juif, que possède-t-il qui soit vraiment à lui, qui n'ait été emprunté, reçu, en prêt et non restitué. Dans la tradition biblique, nous ne sommes pas propriétaires de la terre, nous ne sommes même pas propriétaires de notre propre vie. À tout moment, cette chose-là nous est prêtée et nous devons la restituer. Et ce que dit le Méridien, il dit que le juif, finalement, il n'a que son nom. Et même son nom, et c'est là qu'on voit bien le lien avec la tradition biblique, eh bien, il est imprononçable. Et ça, bien sûr, ça fait référence, si vous voulez, au nom imprononçable et incommensurable du tétragramme. C'est en relation. Voilà. Donc, c'est comme si l'humain portait la responsabilité de quelque chose, au fond, c'est imprononçable et ça peut aller jusqu'à, ça me fait penser au texte de Lévinas, à aimer la Torah plus que Dieu. C'est-à-dire, au fond, et ce n'est pas aimer le commandement, mais qu'est-ce que c'est que la Torah ? Eh bien, c'est le rapport à un tu, c'est le rapport à un tu qui m'aura toujours déjà interpellé, et c'est le rapport entre le je et le tu. C'est la fonction dialogique, si vous voulez, qui existe dans la Bible. C'est ça, finalement, le commandement. Et ça, c'est très présent. Et ça, c'est très présent chez Celan, très très présent. Donc on le sent dans ce que vous dites, Celan, c'est beaucoup nourri de la lecture des philosophes. Alors là, vous avez fait allusion à Buber. Je voudrais revenir quand même à Heidegger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la lecture d'Heidegger a été fondatrice pour Celan ? Alors, ce n'est pas que la lecture. Je crois que là, il faut lever beaucoup de liens communs ou d'une sorte de vulgate qui est venue se surcristalliser sur la personnalité de Heidegger. Heidegger a reçu Celan, a organisé une lecture. Je pense que dans l'esprit de Celan, je ne peux pas parler, évidemment, je ne peux pas reconstruire le processus par lequel il est arrivé jusqu'à Heidegger. Je veux quand même préciser que Celan avait une culture absolument phénoménale de toute la tradition philosophique allemande et poétique allemande, et donc de Heidegger aussi. Mais si vous voulez, Heidegger est celui qui a en quelque sorte exhumé, en retournant chez les Grecs, en retournant à la question du temps et de l'être chez les Grecs, qu'il a été chercher chez les présocratiques, chez Héraclite, chez Parménide, etc. Il a en même temps exhumé la relation entre le logos et le moutos, entre le discours philosophique et la poésie. Et Heidegger est celui qui, au fond, a donné un tournant philosophique, ontologique, en allant chercher chez Hölderlin, comme l'ont fait Hegel, comme l'ont fait Schelling, en allant chercher dans la parole de Hölderlin un possible modèle du déploiement de la vérité de l'être, là où se situe le lieu du rassemblement. Et peut-être, je dis bien peut-être, je n'en suis absolument pas certaine et je ne m'associe pas complètement à cette thèse en disant que peut-être c'est la thèse, entre autres, de Bollag, de celle de mon ami Denis Thoire, c'est-à-dire que finalement Heidegger aurait entrevu chez Celan un Hölderlin moderne. Ça je ne crois pas. Je crois que la relation entre Heidegger et Celan a tout de suite été extraordinairement embarrassée. Mais qu'est-ce qu'il a entendu chez Heidegger? Mais
C'est un immense philosophe. Et un philosophe qui a lu Trakl, qui a lu Novalis, qui a lu Erdalin et qui a, au fond, comment dirais-je, ouvert l'horizon philosophique depuis la lecture et depuis l'écoute de ses poèmes. Donc ça ne pouvait pas passer inaperçu, évidemment. Mais je pense que c'est une rencontre qui est surdéterminée. Et ce que Celan a pu attendre de Heidegger, eh bien, je pense que c'est, en effet, c'est une parole, comme on a dit, qui n'est pas venue. C'est donc, une parole. Donc voilà. Cette parole, enfin, il espérait concrètement de Heidegger que, qu'il dénonce les crimes de la Shoah. Il n'en a rien fait. Est-ce que ça s'est traduit par une, chez Celan par une rupture franche avec l'héritage heideggerien ou quelle a été la conséquence de l'absence de cette parole sur le reste de son œuvre. Je crois que Bertrand a répondu partiellement à cette question. Qu'est-ce que ça signifierait une rupture franche avec la tradition allemande? Il faudrait qu'il cesse d'écrire en allemand, si vous voulez. Celan écrit dans sa langue. Il pense dans sa langue. Est-ce que c'est une contre-langue? En tout cas, Celan dit, je ne sais plus à qui il l'a écrit, je crois que c'est qu'il ne thématise pas la question de l'identité juive, que pour lui c'est de l'ordre de la pneuma, du souffle. Et donc à ce titre-là, moi j'entends la contre-langue comme une contre-intentionnalité. C'est de renverser, il y a un retournement si vous voulez. Et dans ce souffle, en effet, eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas thématisable. Alors, oui, bien sûr. À un moment donné, dans les cahiers de Lerne, il y a la question du pardon qui se pose. Et Celan fustige ces pardons de pacotille. Le pardon doit être prononcé, c'est-à-dire il doit y avoir, ce n'est pas seulement de l'écriture, et c'est là que toute la tradition philologique peut réduire en quelque sorte la lecture de l'œuvre de Celan. On ne peut pas l'enfermer dans l'écriture. Il y a aussi une dimension de parole, une interprétation, une dimension transhistorique, quelque chose qui se transmet. Et elle a une dimension orale, cette poésie. Et par conséquent, il y a une parole qui n'a pas été prononcée. Et celle-ci, est-ce que c'est une rupture? Je dirais que c'est une fin de non-recevoir. Avant d'être une rupture, pour qu'il y ait une rupture, il faut qu'il y ait eu une relation. Il faut qu'il y ait une construction d'une relation. Il faut qu'il y ait eu quelque chose qui se soit passé. Je ne suis même pas certaine qu'il se soit passé quelque chose entre Heidegger et Celan qui ait conduit à une rupture. Une rupture, ça veut dire qu'il y a un enjeu dans une relation. Ou alors, il y aurait eu rupture avant même qu'il y ait relation. C'est plutôt en ce sens-là qu'il faut le voir. Voilà. Mais c'est sûr que Heidegger, le plus grand philosophe du XXe siècle, restait silencieux après la guerre, tout en rencontrant Celan, dont il n'ignorait pas l'histoire, oui, bien sûr, il y a matière à discussion. Alors, Celan était lecteur de philosophes dont Heidegger, et inversement, de nombreux philosophes ont été profondément marqués par l'œuvre de Celan. Donc, on peut citer donc Heidegger aussi, il l'a lu. Derrida, Alain Badiou, pour en citer quelques-uns. Vous avez consacré un essai à Jacques Derrida, donc Le devenir juif du poème. Est-ce que vous pourriez nous expliquer schématiquement ce qui intéressait Derrida chez quelqu'un comme Celan? Alors, peut-être de dire que dans cet essai, en tout cas, Le devenir juif du poème, il n'y a pas que la figure de Derrida. En définitive, la figure centrale, c'est Heidegger. C'est de montrer au fond que le travail, c'est une hypothèse que j'ai pu formuler, le travail de Celan a consisté, si on part du principe, si vous voulez, que le poème est le lieu du rassemblement, c'est-à-dire que l'homme habite le monde et que la poésie aussi lui permet d'habiter le monde, pour Celan, c'était le geste, je dirais, c'était le mouvement exactement inverse au fait d'habiter, d'être sur le sol, le sang, la race. Hein, si on prend toujours dans le méridien ce qu'il dit sur la question du juif, il dit « moi le juif, ici, sur le chemin où je n'ai pas ma place ».
Donc on est vraiment dans le registre absolument inverse. Et j'ai voulu montrer, si vous voulez, et c'est pour ça que Heidegger est important, c'est que si, pour moi en tout cas, si le poème est le lieu du rassemblement dans la poésie, dans la perspective heideggerienne, dans la perspective sélanienne, il est le lieu de la dispersion, il est le lieu de la désituation, il est le lieu d'une faille, d'une blessure ouverte qui fait que on ne peut pas poser pied sur la terre ferme, si vous voulez. Et quand un juif rencontre un autre juif dans le méridien, eh bien qu'est-ce que le juif lui dit? Il lui dit pas « est-ce que tu vois quelque chose ?» Il lui dit « entends-tu ?» Et si vous voulez, par le « entends-tu », il y a tout un mouvement de ce que Lévinas appellerait la ruine de la représentation. Il y a l'impossibilité de se représenter le monde, de le mettre en image, de le figer. Voilà. Donc j'ai pris, si vous voulez, Derrida et Celan, Derrida lisant Celan, comme la possibilité... finalement de comprendre la place qu'occupait Heidegger dans la poésie de Celan. Alors, je pense que il faudrait peut-être ne pas citer que Derrida. Pourquoi la question plus générale, pourquoi Celan est un poète qui a retenu l'attention d'un certain nombre de philosophes, dont certains, en effet, on peut le constater, étaient juifs. Lévinas, Derrida, Zondi aussi quand même, qui problématise beaucoup la question de la poésie de Celan, Stéphane Moses, Martine Broda, même si elle n'est pas complètement philosophe, et il y en a d'autres qui ne sont pas nécessairement juifs, mais qui ont lu, et pour qui le questionnement de Celan et en partie une réponse aux grandes interrogations qui se posent, c'est-à-dire à la fracture qui s'est opérée après la guerre. Adorno, il y a eu Benjamin, mais plus près de nous, il y a eu Werner Hammacher, Lacoula Barthes, Heinz Wissmann, qui se sont aussi beaucoup penchés. Alors, si vous voulez, moi, ce qui me retient, parce qu'il y a des écoles qui s'affrontent par rapport à ça. Je mets Bollack aussi dans cette question-là. Mais Bollack, si vous voulez, sa position par rapport à la question de la judaïté, c'est de dire, de la judaïté de Celan, ce serait de dire que ce n'est pas la persécution qui fait la judaïté de Celan. Oui, mais c'est la persécution qui rappelle à Celan l'irrémissibilité de son être juif. Et à partir de là, il y a un changement de décor. Donc, si vous voulez, moi, je ne voudrais pas, ce que je ne comprends toujours pas dans ces querelles d'école, c'est comment la tradition philologique, au fond, qui s'intéresse à l'établissement, à la construction du sens du poème et du sens historique, si vous voulez, du poème, ne prend pas acte de cette dimension transhistorique du poème et du fait qu'il parle au-delà de ces structures, si vous voulez, écrites. Mmh. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est la philosophie. Et je pense que plutôt de mettre dos à dos, si vous voulez, herméneutique heideggerienne, celle qui prétend revenir au Big Bang, si vous voulez, du sens, celle qui prétend aller vers le dévoilement du sens du poème. Et pour Celan, il le dit clairement, les images sont voilées. C'est-à-dire les significations sont voilées. C'est un peu comme dans le récit biblique qui commence à Bereshit bara Elohim. On commence par la lettre Bet, on ne commence pas par la lettre Aleph. Il y a quelque chose de ce geste originaire qui est définitivement perdu. Entre la tradition philologique qui construit le sens du poème à partir de ses significations historique, et entre le questionnement philosophique, parce que finalement, et ça Moses le montre déjà très très bien, que ce qui est extraordinaire avec Celan, c'est que c'est une poésie qui s'ouvre sur un questionnement présent chez les philosophes juifs allemands, un questionnement sur la création, un questionnement sur la révélation,
C'est la révélation sensible du poème, c'est le moment où le poème révèle quelque chose, mais c'est aussi un questionnement sur la révélation, et pour le dire de manière un peu à la Scholem, le néant de la révélation, quand Celan écrit qu'est-ce qui se tient dans l'amande, l'amande, voilà encore un thème très biblique, rien ne se tient dans l'amande, rien, il n'y a rien qui se tient. Tout ça, c'est des questions philosophiques qui sont extrêmement importantes. Voilà. Donc on pourrait en relever, on pourrait relever des topoi philosophiques absolument innombrables, mais je pense que lire, quand les philosophes lisent Celan, et quand un certain nombre de philosophes appartenant à des traditions différentes, allemandes, italiennes, françaises, herméneutiques, philologiques, phénoménologiques, ce qui est important avec Derrida, pour répondre à votre question, ce qui est important avec Derrida, c'est que c'est la tradition phénoménologique. C'est celle qui considère que il y a une critique de la tradition métaphysique, c'est-à-dire un rapport de la chose à sa fondation. La question de la chose, le poème est la chose même, si vous voulez, à partir de laquelle on peut commencer à penser le monde, ou la perte du monde, ou l'humanité de l'homme, etc. Donc il y a un tournant, je dirais, il y a un tournant éthique qui s'est ouvert après la guerre pour la philosophie française, mais aussi pour la philosophie allemande, Lévinas étant l'introducteur de la philosophie husserlienne en France, et finalement c'est Celan qui est aussi peut-être celui qui a permis ce tournant éthique. Vous parliez tout à l'heure du sens du poème, du fait qu'il n'est pas toujours perceptible, le fait qu'il est voilé. Et on l'a peut-être entendu là depuis le début de la rencontre, notamment dans les textes qu'on a lus, l'œuvre de Celan a la réputation d'être quelque chose de difficile à appréhender. Et lui-même revendiquait ce droit à l'hermétisme dans Le Méridien, donc ce fameux discours. Il cite Pascal, d'ailleurs, qui écrit « Ne nous reprochez pas le manque de clarté, puisque nous en faisons profession. » Alors, pour des gens qui ne connaîtraient pas bien son œuvre, comment est-ce qu'on peut leur donner envie de rentrer dans cette œuvre, sachant qu'elle revendique une forme d'hermétisme? Est-ce qu'elle est toujours hermétique, d'ailleurs? Alors, je m'adresse aussi à Bertrand Badiou, par exemple. Je pense qu'elle n'est pas toujours hermétique, heureusement, fort heureusement. Et qu'il y a des moments, au contraire, de grande clarté, d'un discours complètement direct, mais que ce discours direct ne se maintient jamais. Et même dans les poèmes qui apparemment sont simples, il y a toujours une dimension complexe. Je dirais que la dimension complexe, elle est irréductible, et elle appartient à la conception même que Celan a de la poésie. C'est-à-dire que la poésie est une émergence de quelque chose qui, pour le dire de façon avec un concept qui est le sien, dans Le Méridien, donc j'insiste, à ne pas confondre avec le Gespräch im Gebirg, dont il a été question dans la parole de Daniel Cohen-Lévinas avant, qui n'est pas Le Méridien, mais qui est un discours, disons, de fiction, le seul discours de fiction de Celan. Et donc, dans... La question donc de cette obscurité, eh bien, elle est comment dire, elle est l'origine de sa conception de la poésie, c'est-à-dire effectivement d'une émergence. Le poète assiste à des choses qui émergent et que lui-même, d'une certaine façon, ne maîtrise pas, et ce qui ne veut pas dire qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Mais son travail consiste à laisser ces choses émerger et au contraire à les élaborer. Et d'une certaine façon, ce qui, permet l'accès à cette obscurité, c'est la succession des poèmes. C'est-à-dire que là où un poème est obscur, un autre poème va venir apporter un éclairage à ce qui est paru une formulation obscure dans le poème qui précède. Et dans ce sens-là, cela engage son lecteur a un travail. Il y a une sorte de pari qui est fait avec son lecteur, une exigence qu'il adresse à son lecteur, un pari de formation, un pacte de formation, si on peut dire. Le lecteur va prendre cette obscurité et va travailler,
va, et le, la dimension de travail est une formation de soi, et la formation qui s'accomplit, en quelque sorte, c'est ça la dimension éthique dont parlait Daniel Cohen-Lévinas avant, c'est que dans ce travail, quelque chose s'opère qui modifie le lecteur véritablement. Et sans cette obscurité, ce travail ne pourrait pas se faire. Parce que d'une certaine façon, il délivrerait le message, en quelque sorte, d'une façon spontanée, et il y aurait juste à le prendre. Le lecteur ne peut pas être un consommateur. Il est obligatoirement actif et il fait des découvertes. Il fait des découvertes, et Celan était d'ailleurs très attentif aux découvertes que faisaient ses lecteurs, et des lecteurs professionnels que sont les critiques. Celan était toujours à l'affût de voir quels sont, dans l'entourage universitaire qui était le sien, de voir quels étaient les effets de sa parole et qu'est-ce qui était compris et comment c'était compris. Et il ne disait pas à ces différentes personnes, vous vous trompez, c'est extrêmement rare. Il était très attentif à la façon dont il était lu. Et il n'attendait pas d'être lu d'une façon extrêmement précise. Évidemment, il y a une direction, les poèmes donnent une direction. Mais ils ne sont pas des dogmes, ils sont ouverts, il y a une ouverture. Pendant très longtemps, on n'a pas su grand-chose de la biographie de Celan. On ne savait rien. Et à partir du milieu des années 90, au contraire, on a commencé à voir l'apparition de biographies, de correspondances, notamment avec Ingeborg Bachmann, des témoignages. En quoi est-ce que ce que vous appelez dans le cahier de Lerne le tournant biographique, en quoi est-ce que ça a permis de mieux comprendre son travail, et est-ce qu'il y a des, par exemple, des poèmes dont on n'aurait pas perçu le sens qui tout à coup devenaient évidents? Je veux dire, le tournant biographique, ce n'est pas du tout la correspondance Ingeborg Bachmann, oui. Absolument pas. La correspondance Ingeborg Bachmann est plutôt une correspondance qui a été porté au pinacle parce qu'il y avait une mythification qui précédait la parution de cette correspondance. Là, le tournant biographique, il a lieu avec les premières correspondances, la correspondance avec Nelly Sachs, avec Franz Wurm, mais aussi avec l'affaire Gol, publiée par Barbara Wiedemann, qui est une terrible affaire qui a dominé la vie de Celan, ouais. Et qui, d'une certaine façon, a détruit Celan. C'est une interprétation qu'on peut faire. Et bien sûr, la correspondance avec Gisèle Celan-L'Étrange, qui a été échangée entre 1952 et 1970, donc qui recouvre toute la période d'activité littéraire de Paul Celan. C'est ça le tournant biographique véritable. Et c'est là qu'on commence à avoir des informations qui font que les poèmes peuvent être lus, disons, dans leur caractère concret. On peut y entrevoir les événements qu'ils ont inspirés, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il faut les rabattre sur ces événements. Mais tout à coup, le discours celanien s'ancre comme semble s'ancrer dans une réalité qu'il a toujours eue. Mais simplement, c'est comme si on chaussait des lentilles sur nos yeux maladroits, sur nos yeux pas suffisamment précis pour percevoir cette réalité. Alors, on parlait d'hermétisme tout à l'heure, d'obscurité. On ne comprend pas forcément toujours, au premier abord, un texte de Celan, sauf à le lire, le relire, et comme vous disiez, lire un enchaînement de poèmes. En revanche, il a été possible d'illustrer l'œuvre de Celan. Et je me tourne vers Éric Celan. Votre mère était artiste. Elle a illustré par des gravures l'œuvre de votre père. Comment est-ce qu'elle s'y est prise pour illustrer cette œuvre, et comment est-ce qu'ils travaillaient ensemble? Oui, ça, je ne sais pas. Peut-être Bertrand a des idées plus précises, mais en tout cas, mon père n'a travaillé avec aucun artiste, et je pense qu'il y avait vraiment une très grande rencontre dans leur démarche. Toutes les gravures d'une certaine époque ont des titres bilingues en français et en allemand donnés par mon père, ce qui est intéressant. Quelle image en particulier suscitait son univers chez votre mère? Enfin, il y avait un dialogue entre les deux pour qu'elle puisse illustrer ses poèmes, notamment il les traduisait pour elle en français. L'illustration, c'est une rencontre, c'est une chose à deux. Il y a,
texte de mon père qui dit, Bertrand va me corriger, et s'il le sait de mémoire, dans vos cuivres, je reconnais mes poèmes, ils y passent pour y rester, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de la rencontre de la vie, de la lecture des poèmes. Ma mère a toujours été une très grande lectrice des poèmes de mon père, et ça a été une démarche qu'il a tenue toute sa vie. Et donc, en tout cas, mes parents considéraient que par rapport à beaucoup de livres bibliophiles qui souvent... Enfin, beaucoup de poètes ont été aidés par des grands artistes qui leur ont fait faire des livres bibliophiles, ce qui les a un peu nourris. Et je dirais que mon père, enfin mes parents pensaient que normalement, quand il y avait un livre à deux, il fallait qu'il y ait une vraie rencontre et pas seulement une chose alimentaire. Merci. Alors, sur la question de l'hermétisme de la langue, je n'ai pas de réponse, mais un élément de réflexion revient aussi à sa proximité avec le judaïsme, hein, le fait que l'angle d'inclinaison est lié à la question de sa judéité, c'est aussi... la manière dont on aborde la lecture et l'interprétation du verset biblique, c'est que, au fond, le sens se révèle à plusieurs niveaux. Et il existe quatre niveaux herméneutiques dans l'hébreu biblique. Vous avez le pshat, le sens littéral. C'est vrai que dans la poésie de Célan, vous avez un sens littéral. Mais ce sens littéral, bon, il est ce qu'il est, mais il ne permet pas d'approfondir, si vous voulez. On va vers le deuxième sens, en hébreu on appelle ça le remez, c'est la manière de faire jouer les signes entre eux. Dans la langue de l'hébreu, comme dans la langue de l'allemand, qui est une langue à particules, qui est une langue qui se construit, qui est une langue qui se déconstruit aussi, c'est pour ça que, si vous voulez, la critique de la déconstruction n'a pas beaucoup de sens du point de vue de la langue aussi, et du point de vue de la langue de l'hébreu et du point de vue de la langue de l'allemand. Le troisième niveau, et ça c'est très important me semble-t-il pour Célan, c'est le niveau parabolique, allégorique, les midrash, les midrashim, ou si vous voulez, vous parlez d'une chose et cette chose signifie autre chose. Je donnerai un exemple tout de suite après. Et puis le dernier niveau que Célan n'a pas pu complètement ignorer étant lecteur de Scholem, c'est le niveau, c'est le sod, c'est le sens secret qu'on appellerait le sens ésotérique ou voire mystique. Alors, je ne sais pas ce qu'il a lu ou qu'il n'a pas lu concernant la mystique juive. Il n'empêche que sur la question de la révélation de la néant, du néant, c'est une question liée à la question de la tradition kabbalistique. Mais je prends un exemple biographique qui me semble assez parlant. Lorsque Célan était enfant, je parle sous l'autorité d'Éric et de Bertrand, lorsque Célan était enfant vers l'âge de 12 ans, son oncle lui a offert un recueil de fables en yiddish, d'Eliezer Steinberg. Et comment lisait-il le yiddish, je ne sais pas, dans cette espèce de proximité intuitive entre l'allemand et l'hébreu, comme on fait quand on lit yiddish et qu'on ne le connaît pas et qu'on essaye de faire un mixte entre la langue de l'hébreu et la langue de l'allemand. Et la fable qu'il préférait, c'est un midrash en définitive, c'est la fable de l'épieu et de l'aiguille. Et en hébreu, on appelle ça une controverse. Dans la tradition talmudique, vous avez une controverse entre un épieu et une aiguille, et c'est l'aiguille qui a le dernier mot. Et l'aiguille, elle lui dit, si, et naturellement, on parle d'autre chose que de l'aiguille, si je pique de la toile, du tissu, il va en sortir une chemise ou une robe ou autre chose. Mais toi, si tu piques un homme, qu'est-ce qu'il peut en ressortir? Et ça, si vous voulez, il y a quelque chose de la sagesse de l'enseignement biblique. Naturellement, ce n'est pas de l'aiguille qu'on parle et ce n'est pas d'un épieu. Et je trouve que dans la langue poétique de Célan, on a une multiplication de ce genre de choses. C'est pour ça qu'il faut se méfier vraiment de ramener le texte de Célan à une vérité herméneutique ou philologique. Parce que je crois qu'on passe à côté justement de cette équivocité et de cette beauté. Bien sûr, c'est ce qui fait la richesse de ses poèmes.
On parle de Ceylan poète. Je voudrais aborder une autre étiquette qui est celle de Ceylan traducteur. Il a traduit de nombreux auteurs, que ce soit Henri Michaux, Ossip Mandelstam, Rimbaud, Valéry, René Char et tant d'autres. Je m'adresse à Clément Fradin. Je voulais savoir quelle idée se faisait Ceylan de la traduction. On a l'impression que c'était beaucoup plus qu'un gagne-pain dans sa vie. Alors, il y a des traductions alimentaires. Au début, sûrement. Au début, hein, c'est indéniable. Même si, alors là, le biographe Bertrand ne me contredira pas, Ceylan veillait quand même bien à ce que ses contrats, que ses honoraires de traducteur soient versés. Il ne traduisait pas gratuitement quand il travaillait. Il faisait, voilà, et c'est vrai que, notamment, sur, il y a des échanges assez parfois où Ceylan se montre, il rappelle que Fischer n'a pas versé ce qu'il lui devait pour les traductions, je pense à Michaud en l'occurrence, sur la conception de la traduction. Bon, déjà, il y a le travail de traducteur, qui est ces traductions qui donnent la première des indications hein, sur la manière dont Ceylan traduisait, ce qu'on a déjà à son époque, beaucoup critiqué. Hein. On disait que Ceylan ceylanisait les textes, qu'il faisait du Ceylan, etc., etc. C'est la première base de l'étude. La deuxième, c'est ce qu'il en a dit. Et là-dessus, il y a peu de choses, finalement. Il y a, en réalité, dans les discours hein, qu'il a prononcés, il n'y a pour ainsi dire, pas de réflexion sur la traduction, mais dans des aphorismes hein, qu'il a donc posthumes, dans surtout des lettres, on trouve des éléments de réflexion. Je vais peut-être commencer de ce point de vue en rappelant que dans l'entretien de 54 que vous avez déjà cité, Ariane, et dont j'ai parlé rapidement aussi tout à l'heure, Ceylan est interrogé évidemment, hein, même s'il est déjà très connu pour Pavot et Mémoire, il reste quand même aux yeux du public allemand, germanique, germanophone, un traducteur. Voilà. Et on lui demande, justement, on lui pose la question de son rapport avec le roumain, et puis et Ceylan parle aussi de ce qu'il appelle l'hygiène de la langue. Je vais peut-être le citer, c'est assez intéressant, dans son rapport au français. Eh bien, donc, il est question du français. Pour ce qui est du français, le danger, hein, la question portait sur le danger de l'écrivain allemand en exil. Pour ce qui est du français, le danger est plus grand, sous-entendu, qu'avec le roumain. Bien sûr, il me faut observer une certaine hygiène de la langue. Je souligne le terme hygiène de la langue. C'est-à-dire que je me trouve dans un face-à-face avec cette autre langue. Et quand, par exemple, je vais prendre un exemple concret, quand je rencontre une tournure française qui ne me vient pas immédiatement en un tournement, alors il me faut immédiatement me précipiter de suite vers le dictionnaire et perpétuer, m'assurer de nouveau mon patrimoine linguistique. Voilà comment ça marche chez moi. Pourtant, de ce face-à-face des deux niveaux de langue résulte un approfondissement de mon sens de la langue. Donc, d'un côté, il y a un danger. Le français est une langue particulièrement forte, exigeante, autoritaire. Oui, une langue exigeante, qui veut donc avoir raison, et je la laisse quelque part avoir raison en tentant de lui donner la preuve de sa profondeur au niveau d'un équivalent allemand. La première donc, réflexion qu'on trouve dans cet entretien en 54, c'est l'idée d'une réflexivité, d'un retour par le détour, d'un retour à soi, à sa propre langue, par le détour de la langue à traduire, en l'occurrence le français, puisqu'à l'époque, il traduisait beaucoup de français. C'est très important parce que si on a pu reprocher à Ceylan de ceylaniser des textes, c'était certainement parce que Ceylan retrouvait du Ceylan dans ses textes. C'est-à-dire que en fait, il faut penser la dialectique comme ça. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y avait. Il était proche des auteurs dont qu'il traduisait. Voilà, c'est en ce sens-là qu'on se passe. Proche, et en même temps, dans une lettre plus tardive, 6 ans plus tard, hein, qu'il adresse à un traducteur d'Essénine qui vient de lui envoyer une lettre sur les traductions que Ceylan vient de faire paraître de Essénine, Ceylan
va dire les choses de manière un petit peu différente, et il va surtout en passer par la notion de littéralité, Wörtlichkeit, hein, qu'on a parfois traduit par le mot à mot, mais c'est pas l'idée du mot à mot, en disant que finalement, le traducteur, même s'il traduit de façon littérale, en réalité, c'est la littéralité du poème traduit qu'il traduit. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre au sérieux le texte, même dans ses ambiguïtés, même dans ses faiblesses, le texte à traduire. Et je pense ici notamment à ces traductions de Chartres, où selon... on a des documents où Celan explique les difficultés qu'il a à traduire Chartres, parfois même la répulsion qu'il ressent en devant des aphorismes ou devant des notes. Et Celan fait le choix, ça a été constaté par la critique, hein, j'en reviens au premier niveau qui est celui donc de l'observation de la manière dont Celan traduit, fait le choix de traduction extrêmement littérale, hein, vraiment avec des emprunts de termes français qui sont en allemand assez suspects pour traduire des notions du texte de Chartres. Alors, on ne peut pas parler de traduction sans évoquer l'affaire Gol. Alors, pour mémoire, la veuve d'Ivan Gol, Claire Gol, avait demandé à Celan de traduire ses poèmes et elle l'a accusé publiquement par la suite d'avoir plagié l'œuvre de son mari. A posteriori, cette affaire peut sembler dérisoire. Celan a plagié quelqu'un d'autre, mais elle a vraiment empoisonné sa vie. Comment est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui l'ampleur qu'a pris cette affaire chez Celan, qui l'a minée jusqu'à la fin de sa vie? Bertrand Badiou, peut-être? Je pense qu'effectivement, cette affaire a miné la vie de Celan. Voilà. Je pense effectivement que cette affaire a effectivement miné la vie de Celan du début à la fin, mais ce qu'il faut, et ça se traduit par la présence de cette affaire dans pratiquement tous les textes autobiographiques de Celan, les lettres, les journaux. Ça apparaît dans ces journaux au moment des hospitalisations, ça apparaît tout le temps dans la correspondance. C'est un véritable cancer, quoi, qui a envahi le texte, je dirais, privé de Celan, mais aussi sa poésie. Sa poésie a été touchée. Il y a énormément de poèmes qui réagissent à l'affaire, très très concrètement, et qui ont amené certains des proches de Celan à douter en quelque sorte de sa poésie, parce qu'il la sentait et il la lisait trop proche de ces événements. Il la lisait comme des réactions immédiates à cette affaire. Je pense à un poème de La Rose de Personne, par exemple, Eine Gaune und ein Ofenweise, une chanson de bandits et de voyous, où Celan répond à Claire Gol d'une certaine façon, et aux accusateurs, aux gens qui ont pris le relais des accusations de plagiat. Et dans ce sens, cette affaire, elle est omniprésente. On ne peut absolument pas en faire l'économie, mais on peut aussi se dire qu'elle est et elle fonctionne comme un révélateur de la société dans laquelle, le cadre dans lequel elle a pu avoir lieu, dans cette Allemagne qui a accueilli cette affaire comme du bon pain. Enfin, c'était une occasion absolument fantastique de pouvoir nuire à Celan, et ça, c'est pas un hasard, c'est quand même quelque chose qui dit quelque chose sur cette société et sur cette époque, et sur l'horizon humain qui est celui de Celan. Et elle a permis à Celan de déguiser ses armes en quelque sorte, et d'avoir dans certains cas une inventivité accrue. Je pense à l'aspect satirique de son œuvre. Comme chez les Latins, il y a une capacité, une verve de Celan à réagir.
Et cette réaction et cette sensibilité d'ailleurs, et cette sensibilité à tout, toutes les petites choses qui s'insinuent dans les discours, sa capacité, son œil critique par rapport au discours des gens, sa capacité de démasquer les gens, eh bien elle s'est trouvée potentialisée par cette affaire. Donc voilà, l'affaire elle est présente et elle est en quelque sorte intégrée, métabolisée par la poésie. Et donc la poésie de Celan a intégré cette dimension et il faut la prendre en compte. Et même si elle est, je pourrais dire, un lanceur, que la poésie de Celan évidemment va au-delà. Encore une fois, comme je prends cette comparaison que j'aime bien, comme Villon quand il réagit à des situations de son époque et qu'il se moque, qu'il moque certaines personnes, eh bien cette dimension-là existe dans la poésie de Celan. Vous parliez tout à l'heure d'hospitalisation, pour ceux qui ne seraient pas tout à fait au fait de cette partie de la vie de Celan. Je rappelle qu'à partir du début des années 60, en fait, Celan va faire plusieurs séjours plus ou moins longs en hôpital psychiatrique. Il est hanté par son passé, par la mort de ses proches. Le quotidien devient totalement invivable pour lui et pour ses proches. Est-ce que vous avez prévu nous de lire le poème dit Unser Wahrheit, où on sent l'expression de ces troubles? Oui. C'est un poème qui allie en quelque sorte, je vais dire, la question de la folie, la question du délire et la question de la vérité. Donc là aussi, dans un horizon heideggerien, c'est intéressant. Hein, cette fois-ci, l'aletheia se fait à travers, elle est en quelque sorte possible grâce à la crise de délire ou au délire. Et puis, dans ce poème s'articule cette question de la vérité et cette question de la folie à la question de la justice et à la question du judaïsme et de la Torah. On le verra de façon explicite. Die Unwahrheit tief im Wahn, an ihr kommen die Teller der Waage vorübergerollt, beide zugleich im Gespräch. Das kämpfend in Herz höhe gestemmte Gesetz, Sohn siegt. Le poème est écrit le 27 octobre à Montpellier lors d'une sorte d'errance de Paul Celan à travers la France, autour de la France. Et voilà la traduction de ce poème. Une traduction possible. L'once de vérité, tout au fond de la folie. Devant elle, les plateaux de la balance viennent rouler. Les deux ensemble, en dialogue. Hissés en combattant, à hauteur de cœur, la loi, fils, va vaincre. La fin du texte est extrêmement difficile à traduire parce qu'elle est accentuée, c'est deux monosyllabes, zone, zicht. Deux monosyllabes séparées par une virgule. Et là, Celan est véritablement un Massorète, c'est-à-dire ces savants qui ont préparé le texte biblique, ce sont des grammairiens qui ont accentué, qui ont préparé la diction du texte. Et ici, on voit ce travail dans une association, dans un accent. Dans ce travail, il y a différents accents, des accents conjonctifs et des accents disjonctifs, 12 accents exactement. Et parmi les accents conjonctifs, il y en a de plus en moins forts. Et ici, vous avez une accentuation, zone et zigt, qui rapproche un mot qui n'est pas le sujet du verbe zigen, qui est le fils, et qui aboutit au sens, non pas la loi citée, hissée à hauteur de cœur, vain ou vaincra, mais c'est le fils qui devient vainqueur, hein. D'une certaine façon, Zone Zicht, avec une petite virgule qui est une petite pause, qui est ce que je pourrais appeler un accent faible de disjonction, mais la conjonction est très forte. Donc là, on voit aussi comment Celan travaille, sa pensée travaille, elle travaille dans un rythme véritable qui est le rythme de sa diction et qui va permettre la multiplication des sens. Ça va dans le sens de ce que disait Daniel Cohen-Lévinas avant à propos de ce sens non figé, non circonscrit, qui ne peut pas être circonscrit. Et ce poème donc fait allusion très concrètement à l'expérience de la folie
et met en question la question de la justice, de la balance. On a parlé d'allégorie aussi. Ici, la balance vole en éclats, en quelque sorte. Hein, dans ce poème, Celan fait allusion à une phrase de Nelly Sachs qui disait à Celan: tu tiens la balance, où elle le mettait en position d'être une sorte de figure à la fois de la justice, mais de l'homéostasie, de l'équilibre, etc. Et Celan dit plus tard, dans un poème à son fils, également adressé à son fils, mais carrément explicitement, puisque le poème s'intitule « Fur Eric », il parle de cette balance en disant « die rebellische Waage », c'est-à-dire la balance rebelle. La chose explose, la balance explose, et ce qui se passe, c'est que dans ce combat, kämpfend, j'ai parlé de ce mot Kampf, Mein Kampf, ce terrible titre, ce terrible verbe, et bien là, il est en quelque sorte positivé. Et puis, comment se fait ce travail sur le judaïsme? Il s'agit de lever la loi, c'est-à-dire la Torah, qui est aussi l'enseignement, et bien de la lever à hauteur de cœur, c'est-à-dire de ne pas séparer l'éthique de la pensée et par là même la pensée de l'affect, et que c'est à cette hauteur que la victoire se produit. C'est un poème qui exalte en quelque sorte l'espoir, tel que Celan en produit lorsqu'il est dans un infini trouble, et que la poésie lui permet en quelque sorte de dépasser ce trouble. Et je l'associe à une petite lettre qu'il écrit quelques jours après, presque avant la fin de son voyage, et qu'il adresse cette fois-ci à sa femme. Là, il ne s'adresse pas à son fils, et il dit « Je vous ai profondément blessé, je le sais bien, mais mon retour de Francfort », il fait allusion au moment où il est revenu de Francfort en septembre de l'année 1965, il dit « Mon retour de Francfort, c'était en quelque sorte le retour du guerrier juif ». Et là, il nomme pour la première fois, de façon totalement explicite, son combat et la nature profonde de sa poésie, qui est à la fois un mouvement de révolte, il casse les allégories présentes, il les reformule, il casse les représentations habituelles qui séparent la vérité de la folie. Mais il retrouve d'ailleurs quelque chose de profond, et là je pense au Phèdre de Platon, où il est question de la poésie d'inspiration, et Socrate avoue qu'il préfère la poésie inspirée par la mania, c'est la folie, c'est la fureur poétique, et que c'est là-dedans qu'il y a quelque chose comme la vérité. Et là on retrouve son intérêt pour Heidegger aussi, parce que Heidegger a effectivement donné une place au poète qui intéressait Celan, évidemment, parce qu'il considérait que quelque chose de l'ordre de ce dévoilement avait lieu dans la poésie. Et si on l'articule avec la pensée de Platon dans Phèdre, eh bien c'est le contraire de ce que fait Platon et de ce qu'il prône dans La République dans Livre 10, c'est-à-dire l'exclusion des poètes, c'est le contraire. Ça veut dire que c'est à l'intérieur de la poésie, de la mania, de la folie, en quelque sorte, que quelque chose comme une vérité profonde de l'homme et de son temps peut se dire. Et c'est en fait, on peut lire ce qui est arrivé à Celan, y compris l'affaire Gol, comme un affolement qui a donné lieu à une poésie dans laquelle quelque chose de la vérité de ce siècle de violence se révélait, en quelque sorte. Et dans ce sens, toutes les épreuves qu'a supporté Celan, elles sont l'occasion de faire émerger le visage en quelque sorte de son temps, les différents événements, et c'est comme ça aussi qu'on peut lire tous les événements, la guerre du Vietnam, la bombe atomique, etc., tout ce qui est présent dans sa poésie et qui s'inscrit dans une lignée qui part de la Shoah en quelque sorte, que tous ces événements se profilent sur ce décor premier et qui ne peuvent être compréhensibles que dans cette terrible logique, Et ces poèmes, donc, font émerger cette vérité, en quelque sorte. Et l'expérience du délire, c'est comme un passage forcé pour avoir accès à cette dimension profonde, à ce secret, encore une possibilité de rejoindre le discours de Daniel Cohen-Lévinas avant, le secret susurré à l'oreille de l'homme, c'est l'épouvante, l'épouvantable
situation dans laquelle est l'homme au XXe siècle, après la Shoah, etc. Et quand on voit ce qui se profile à notre époque, on peut imaginer, on peut voir l'actualité de cette poésie. Bertrand, il y a aussi, tu ne l'as pas dit, mais il y a aussi une paronomase que l'oreille allemande entend immédiatement, c'est « van », hein, le délire, la folie, et « var », c'est-à-dire « wahnsinn »,« wahnsinn », ça existe d'ailleurs, hein, on trouve même des textes. Et ça, c'est évident. Et c'est-à-dire que la langue induit la réflexion, c'est-à-dire que c'est là où J'ai raison de me le rappeler, je l'ai écrit, il y a même eu un jeu de mots sur un catalogue, à la fin du catalogue, où il met le N et le R avec un slash, voilà, van et var, tu as raison de le rappeler, le monosyllabe, et c'est inscrit dans la langue, c'est ça aussi qui est une dimension, c'est cette écoute, cette wörtlichkeit, c'est-à-dire que pour comprendre les choses, il suffit d'écouter la langue et il suffit de se prêter à ce jeu. Et dans ce sens-là, l'expérience poétique bucarestoise, l'expérience en roumain, le lettrisme aussi. Fondamental parce que c'est ce que son ami Petre Solomon a appelé la saison des calembours, cette dimension ludique du langage qu'on a dans ce que tu dis, van et var, et bien cette dimension ludique du langage qui apparaît comme légère, en fait donne accès à la profondeur même des choses. Et le jeu de mots n'est pas dénué de cette profondeur et même de ce caractère dramatique. Et derrière le sourire, il y a effectivement un visage plus, j'allais dire, un visage hippocratique. Il y a la mort. Donc, sarcastique, ouais. Oui, sarcastique et il y a quelque chose de douloureux, de menaçant dans tout cela. Et le jeu de mots donne accès à cela. Avant d'en arriver à la mort... Donc de Celan en 70, on va évoquer quand même le voyage qu'il a fait en Israël en 1969 et qui l'a profondément marqué. Vous vouliez lire une lettre, un poème, pardon, d'Engdir, qu'il a composé à cette occasion et qui nous explique, qui nous dévoile quels étaient les liens de Celan à l'État d'Israël. Alors, pour être précis, en fait, le poème est une réaction directe, extrêmement directe, à la guerre de six jours. Hein. Ce n'est pas lié à son passage en Israël, qui est plus tardif, mais c'est un poème qui a été prépublié, ce qui est très rare chez Celan, dans un journal suisse, le grand journal littéraire suisse, la Neue Zürcher Zeitung, accompagné d'un commentaire, hein, et qui... comment dirais-je, est évidemment, à l'époque, déjà en juin 67, a été lu comme un poème politique et comme une prise de position sioniste de la part de Celan, même si, et là aussi, je pense qu'on va retrouver la philologie en même temps que la philosophie, les questions ne sont pas toujours aussi simples à distinguer. Je lis d'abord le texte en allemand et puis je lis la traduction qu'en a faite Bertrand dans la correspondance avec Ilana Shmueli, puisque ce poème, c'est le premier poème, c'est l'ouverture de la correspondance avec Ilana Shmueli. Denk dir, der Moorsoldat von Masada bringt sich Heimat bei, aufs Unauslöschlichste, wieder allen Dorn im Draht. Denk dir, die Augenlosen ohne Gestalt führen dich frei durchs Gewühl, du erstarkst und erstarkst. Denk dir, deine eigene Hand hat dies wieder ins Leben emporgeliehene Stück bewohnbarer Erde gehalten. Denk dir, das kam auf mich zu, namenwach, handwach, für immer, vom Unbestattbaren her. Imagine-toi, le soldat des marais de Masada apprend tout seul ce qu'est un pays, très inextinguiblement, contre toute épine dans le fil. Imagine-toi, les privés dieux sans figure te conduisent libre à travers la mêlée, tu t'affermi et t'affermi. Imagine-toi, ta propre main a tenu ce bout de terre habitable, soulevé de nouveau à la vie par la souffrance. Imagine-toi, cela vint à moi, non vigilant, main vigilante, pour toujours, vint de l'inensevelissable. Alors, je
crois qu'on a là vraiment donc un poème réactif, hein, un poème d'actualité écrit dans la nuit du 7 au 8 juin 1967, qui condense, je trouve, la question donc, de la résistance juive, hein, à l'agression donc de l'État d'Israël et avec la forteresse de Masada où se sont réfugiés les combattants juifs et suicidés aussi les combattants juifs face à l'invasion romaine. Ce qui est frappant dans le vers « Le soldat des marais » de Masada, c'est la façon dont Celan mêle deux traditions, donc Masada, hein, la forteresse juive assiégée, qui peut tenir lieu ici d'Israël en guerre, mais ce Moazoldat, ce soldat des marais, c'est celui d'une chanson politique, hein, qui est la chanson de, qui a été une chanson écrite en 1933 dans un camp de réfugiés, dans un camp d'internés politiques communistes, socialistes, particulièrement, et anarchistes, puisque Celan était anarchiste, on va se penser anarchiste, il se revendiquait comme ça. Il mélange donc un chant de résistants contre le nazisme de 1933, qui n'est pas explicitement un chant juif, avec une localisation extrêmement juive, extrêmement, qui en plus dans l'actualité ne peut être lu que comme ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment la réunion de ce que c'est que le méridien, c'est-à-dire la façon dont les choses peuvent être rapprochées, hein, rapportées l'une à l'autre, pour donner une concrétion tout à fait étonnante, c'est-à-dire que parce que la chanson, l'oreille allemande, elle l'a, hein, c'est une chanson, vous savez, très rythmée, nous sommes les soldats des marais, avec la bêche sur l'épaule, enfin voilà, c'est ça le chant. Il y a donc cet horizon allemand, germanique, de la chanson, l'idée donc du soldat des marais, le marais qui est aussi évidemment, là on est presque chez Heidegger à nouveau, mais pas forcément très loin, hein, voilà, et son origine qui est complètement délocalisée, puisque von Masada, hein, c'est évidemment, il est issu, il vient de Masada, c'est-à-dire que les temps se croisent, les époques se croisent, les lieux se croisent, et ils sont alors... Daniel Levinas a parlé du poème comme lieu de dispersion. Je pense que là, on est plutôt dans un moment de rassemblement, hein, de concrétion de la parole poétique et de l'histoire. C'est-à-dire que, le moment historique, l'agression d'Israël, que vit Israël, et la nécessaire solidarité que Celan, à ce moment-là, se voit contraint de publiciser dans sa langue poétique, se manifeste par une façon, comment dirais-je, qu'on ne peut pas réduire. Voilà, on ne peut pas réduire ce poème complètement à sa dimension sioniste qui est là, puisqu'il y a effectivement, alors je n'ai parlé que de ce vers-là, mais il y en a d'autres, puisqu'il y a évidemment la tradition allemande, l'histoire de la Shoah, et des résistants non-juifs au nazisme qui se concrétise, pour ainsi dire, dans ce vers. Et que diront finalement les poèmes qu'il a rédigés lors de son voyage en Israël de cet attachement à l'État ? Oui, si je peux intervenir et rebondir un petit peu sur ce que dit Clément, parce qu'on a parlé du judaïsme de mon père, et évidemment on n'a pas beaucoup parlé de cet aspect-là, mais le judaïsme de mon père était quand même très particulier, très espiègle, et en tout cas moi je n'ai eu aucune éducation religieuse, mais je dirais ce qui reste spécifiquement la judéité de mon père
dans mon éducation de petit enfant et aussi de celle d'un certain nombre d'amis juifs de mon père, comme Kiva ou Serge Moscovici, c'était cette notion de mensch, d'être humain. Et bien sûr que la référence au judaïsme, elle est partout présente dans la poésie de mon père, mais il y a aussi cette dimension de cet être humain qui s'intéresse à tous les êtres humains et à toutes les aventures de révolte et aussi qui s'intéresse à tous les opprimés et à toutes sortes de dimensions humaines et personnelles qui peuvent être aussi très ailleurs que le judaïsme. Bien sûr. Je suis tombée sur une lettre qu'il vous a adressée en 1965 où il vous dit tu aimeras la poésie et tu en feras, tu auras de la religion et tu respecteras celle des autres, tu seras un bon juif, tu seras en bonne santé toujours, en bonne santé longtemps, un vrai homme. Donc on entend le mensch derrière. Est-ce qu'il vous a transmis cet amour de la poésie? J'imagine que oui. Et est-ce qu'il vous a transmis l'envie d'être un bon juif? Il faut dire aussi que par moments, dans des crises de délire ou dans des moments très très violents où mon père allait très mal, il voulait fêter les fêtes juives où il avait une attention très forte là-dessus, ce qui n'était jamais arrivé avant. Donc c'est aussi lié à des moments qui n'étaient pas complètement simples. Mais quand il allait bien, je pense que le judaïsme qu'il entendait était du côté des mensch. Et je dirais mon autre manière de faire de la poésie, ça a été de faire apparaître des objets et de devenir magicien. C'est une autre forme de poésie, effectivement. Jusqu'à un certain point. Je voudrais rebondir, juste faire écho à ce que dit Eric. Et c'est vrai que d'insister sur cette dimension du judaïsme comme étant une attention portée sur la question du mensch, sur la question de l'humanité de l'homme. Ça me paraît très important aujourd'hui, non pas de véhiculer ce message, mais de faire résonner, de faire entendre cette écoute de l'humanité de l'homme. Que la question qui est par-delà la question du religieux, par-delà la question des appartenances identitaires, par-delà la question de la croyance, ce n'est plus la question de Dieu qui est en jeu. S'il y a quelque chose de juif chez Célan, c'est vraiment là. C'est vraiment que l'attention portée à l'autre homme, à l'autre que soi. Et ça, et tous les autres que soi, en effet. Et ça me paraît vraiment important. Ce que vient de dire Eric, j'y suis particulièrement sensible. J'ai parlé de l'humain, mais c'est la question du mensch, en effet, qui est important. Et mensch, en effet, c'est un mot qu'on utilise dans toute l'Europe centrale, hein, pour dire c'est un mensch, tu vois. C'est quelqu'un qui... Alors, à l'heure des études de genre, je ne voudrais pas trop insister là-dessus, parce que ça risque de... Voilà, le mensch peut être aussi bien une femme qu'un homme, hein, c'est très important aussi de le signifier. À ce propos, il faut pas oublier que ce mensch, il s'oppose à une autre manière d'utiliser ce mot qu'utilise Nietzsche quand il dit « es menschet ». Oui, oui. Ça sent l'humain, mais dans le pire sens du terme. Dans le pire sens du terme, oui, oui, absolument. Ouais. Tout est en contrepoint du poème que j'ai lu avant et dont le commentaire a été tronqué par moi, c'est que le poème a un avant-poème en quelque sorte, où disons, comme souvent, Celan s'appuie sur un élément textuel auquel il réagit. Cet élément textuel, dans le cas de L'Anse de vérité tout au fond de la folie, est très intéressant parce qu'il s'agit d'une phrase de Jean Starobinski, d'une lettre de Jean Starobinski que Celan a eue quelques mois avant d'écrire le poème et dont il rappelle le contenu dans le poème et dont il rappelle le contenu humain à son fils. Voilà ce qu'elle dit. « Mon père était un juif selon la loi du cœur, je souligne, et non selon le rite. Vous appartenez à cette même communauté et je m'y sens aujourd'hui plus fortement rattaché. » Voilà ce que dit Jean Starobinski à Paul Celan. Et la phrase sur la loi hissée à hauteur du cœur, c'est la formulation magnifique que Celan
C'est la réécriture de ce lent de la lettre de Jean Starobinski qui est elle-même magnifique. Bien. Il y a une tonalité un peu polynienne aussi, la loi du cœur. Voilà. Et puis, il y a une dimension quand même assez... il y a ce judaïsme du cœur, mais c'est vrai que les gens comme mon père n'étaient pas très religieux et étaient méfiants vis-à-vis d'une éducation très stricte, etc. Enfin, la preuve, moi, un jour je suis rentré de l'école, j'ai dit « qu'est-ce que c'est le bon Dieu ?» On m'a dit « il y a des gens qui croient qu'il y a quelqu'un qui… » Et moi j'ai dit « et nous, qu'est-ce qu'on croit ?» Et on m'a fait une réponse sibylline en disant qu'on ne l'avait pas rencontré. Donc j'en ai conclu que c'était une sorte de Père Noël pour les grandes personnes, ce à quoi on a trouvé que c'était une réponse tout à fait correcte, je crois. Bien, je vois l'heure et il me reste à vous remercier, tous les intervenants, d'avoir parlé aussi bien de ces langues et d'avoir donné envie éventuellement à ceux qui ne connaissent pas l'œuvre de s'y plonger dès maintenant. Voilà, et puis il faut lire la correspondance de mes parents, c'est une très belle correspondance. Oui, elle est très belle. Merci oui. D'avoir organisé ce moment de rencontre. Oui, il m'a retiré les mots de la bouche, merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci Ariane, merci au musée. Merci Sophie, merci beaucoup. Merci, au revoir à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.